Bonjour amis, nous voici donc avec notre webinaire d'actualité traditionnel sur le projet de dirigeable de nouvelle génération. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles. Nous allons partager des informations avec vous sur le lancement du premier véhicule stratosphérique de la société Nova. Mais nous parlerons aussi d'autres nouvelles. Dans le studio aujourd'hui, il y a moi, Pavel Philippov. Fyodor Konstantinov, vous nous avez vu de nombreuses fois auparavant, mais vous avez également vu Denis Filipov. Oui, deux Filipov dans un seul webinaire, c'est une première pour nous. Denis est en effet certainement un employé de Nova, un ingénieur radio et un homme institution, comme décrit dans la description. En général, aujourd'hui, nous allons mieux le connaître. Pourquoi il est ici aujourd'hui et quel est son lien, en particulier avec le véhicule de transfert Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de partager. Votre engagement aide énormément le projet à se développer. Et plus nous serons nombreux, plus le projet lancera rapidement ses propres véhicules volants. Fiodor, commençons par les nouvelles. Ce qui s'est passé dans l'entreprise au cours de la semaine, pas seulement ce qui se passe maintenant, nous passerons au sujet principal. Oui, amis, salutations à tous. Pavel, j'aimerais commencer non pas par les nouvelles, mais par une ancienne obligation. Nous avons lancé un concours d'idées. Nous aimerions annoncer les gagnants, pour clore le chapitre, pour ainsi dire. Nous avons annoncé le concours pour une idée. Une idée non triviale pour l'utilisation des dirigeables et des technologies similaires. Quelque chose qui apporte quelque chose de nouveau. Traditionnellement, parce que sur Internet, tout le monde dit qu'un dirigeable est pour le tourisme, qu'un dirigeable est pour transporter des personnes, qu'un dirigeable est pour transporter des cargaisons grandes et surdimensionnées. Mais que peut-on faire d'autre Et donc, périodiquement dans les webinaires, non pas périodiquement, mais constamment, je mentionne la même idée. C'est un centre médical volant. C'est Alexander Lobov. J'ai en fait reçu cette idée dans un message privé sur V Contact avant que le concours ne soit annoncé. En général, Alexander Lobov n'est pas le seul sur cette liste, mais il gagne définitivement car c'est une idée merveilleuse. Alors qu'il racontait précisément toute l'histoire en détail sur ce que font actuellement les laboratoires médicaux mobiles et les centres médicaux, eh bien, il ne crée pas de centres dans des bus, maintenant il prévoit de faire un train médical, mais un dirigeable, une véritable clinique volante, pourrait être possible, capable de se déplacer entre des villes et des villages éloignés et de fournir des services de qualité à la population. C'est tout simplement une idée merveilleuse, Alexander. Merci beaucoup pour cela. Cela a vraiment élargi nos horizons, mais passons à autre chose. Donc il y a certainement une idée pour un multicentre agricole volant, afin de développer des terres agricoles qui sont éloignées des établissements et des routes. Maintenant, je vais en fait ouvrir ce document ici. Je ne peux vraiment pas comprendre mon propre écriture, désolé. Pendant que Fyodor cherche des informations, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Comme nous avons trois personnes à l'antenne aujourd'hui, vous pouvez immédiatement dire à qui est votre question. Peut-être y a-t-il quelque chose que vous souhaitez demander à Denis, peut-être spécifiquement sur le sujet dans lequel il se spécialise. Il en parlera également plus en détail maintenant. Alors n'oubliez pas vos questions, nous y répondrons certainement. Voici donc le deuxième gagnant de ce concours, André Boulachov. Je n'ai pu lire sa lettre. Oui, je vais développer un peu l'idée. En gros, nous avons beaucoup de terres dans notre pays. Et il y a des terres qui sont développées pour l'agriculture. Il y a des routes, il y a des établissements à proximité, il y a des villes, des villages, peu importe. Et voici quelques terres. Mais il existe d'autres terres éloignées où il n'y a pas de route. Personne ne vit à proximité. Et elles sont incroyablement bien, de bonne qualité pour l'agriculture. Mais il est tout simplement impossible d'y accéder. Ainsi, en tant qu'idée, c'est une sorte de dirigeable qui transporte toute l'infrastructure nécessaire en son sein. Cela inclut une sorte de différentes et variées moissonneuses sans pilote et de drones aériens qui voleront autour, irrigueront et observeront tout. En général, c'est comme un centre entier qui arrive, apportant avec lui toute l'infrastructure nécessaire pour, par exemple, semer le champ, le surveiller, le cultiver et ainsi de suite. Comme une mini-usine volante, comme une mini-plante qui transporte tout avec elle. Cela commence par une moissonneuse-batteuse et se termine par les graines qu'elle plante, et ainsi de suite. Et un autre système de mécanisation automatique, récolte, conteneur à portée. Tout a été retiré, d'autres pays l'ont emporté. C'est-à-dire une telle grande infrastructure ou solution agricole. Cela élargit également les frontières la sensibilisation dans le domaine de la construction de dirigeables, donc André Boulachoff, merci beaucoup. L'idée est géniale. André a également proposé une idée que j'avais moi-même, mais en effet, c'est génial de ne pas être le seul à l'avoir en tête. En fait, cela a été mentionné à plusieurs endroits, et dans des magazines de technologie pour la jeunesse, quelqu'un a parlé de ce qui s'est passé. Ce sont des supports aérostatiques pour des routes suspendues, des ponts, des parcs de cordes, etc. Pour étendre une route à travers un ravin, par exemple, certains supports sont nécessaires, de préférence avec un au milieu. Vous pouvez vous appuyer sur quelque chose, pas nécessairement le sol. En d'autres termes, vous pouvez décharger aérostatiquement le pont, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de construire un support. Un pont est comme une chose unique, mais par exemple, décharger tout un parc de cordes avec des aérostats en tant qu'idée est généralement bon. J'aime ça, pour ainsi dire, pas exactement pour sa nouveauté, mais si vous créez un tel parc de cordes, les gens le regarderont et comprendront qu'un dirigeable n'est pas seulement quelque chose qui vole quelque part avec des gens, mais peut aussi être utilisé de cette manière, donc l'idée est absolument géniale. Et voici le troisième gagnant de ce concours particulier, en effet une réalisation remarquable lors de cet événement. Veuillez me pardonner, je ne connais que le surnom 1A1. Mais l'idée ici est vraiment impressionnante par son ampleur. Je vais le lire exactement comme il est dans l'original. Pour augmenter les chances de survie à une guerre nucléaire mondiale et aux éruptions de supervolcans, créer une arche au-dessus du niveau de cendres, cette ville du Soleil sera une station habitée en fonctionnement permanent capable de produire de manière autonome des aliments d'origine végétale dans des fermes verticales basées sur l'hydroponie, mettre l'arche en mouvement à travers des eaux neutres en fonction des personnes y résidant en permanence, ainsi que de l'autonomie, de la subsistance et des eaux neutres, constitue une base pour soumettre un appel aux Nations Unies concernant l'émergence d'un nouvel État. De tels candidats existent. Les investisseurs automatisés ont une place et la citoyenneté, tandis que les autres peuvent seulement louer. Pour mettre en œuvre ce plan, il est nécessaire de considérer lors de la conception de prototypes fonctionnels de petits yachts la possibilité de construire un bureau volant comme prototype d'une arche et d'évaluer la nouvelle architecture par rapport aux charges de vent, aux renversements, etc. Alors, un petit yacht, le premier petit yacht, un bureau volant, une maison volante, puis une infrastructure volante et enfin une arche volante. Que se passera-t-il ensuite dit-il, invitez-moi au bureau et alors je vous le dirai. Et vous plaît, laissez la forêt tranquille. S'il y a une explosion nucléaire, que va-t-il arriver à la forêt Surtout s'il y a un hiver nucléaire, que ce soit à cause d'une éruption volcanique, d'une guerre nucléaire ou d'autre chose, la forêt là-bas ne survivra pas non plus. Discutons donc davantage de la forêt, mais dans l'ensemble, en bref, à propos de l'ampleur de l'idée. Une telle ampleur est vraiment géniale. Nous pourrions avoir besoin de plus d'idées aussi diverses. Donc, voici notre troisième gagnant. Et avec ce concours, oura C'est terminé. Nous attendons donc les trois au bureau. Envoyez-nous un message sur Telegram. Alexander Lobov, d'ailleurs, a même posté sur V-Contact. Il nous regarde. Voilà. Un grand merci à Alexander Lobov. Il m'envoie périodiquement des idées très sensées. Je les lis, j'y prête attention et je les prends en considération. Et au fait concernant Lobov. C'est tout pour ce concours. Nous avions André Lobov qui menait son propre concours. C'est notre André local, et il y avait des marchandises comme prix. Nous annonçons que les marchandises sont prêtes. Des produits dérivés si stylés. Seulement des blancs, et je pense qu'il y en avait aussi des bleus, non Je n'ai ouvert que la boîte avec les blancs. Mais sachez qu'en général, Lobov conclura également bientôt, et ce pull, ces pulls, iront à leur destinataire légitime quelque chose comme ça c'est presque comme un champ de merveille pour nous aujourd'hui donc les trois premiers vont au bureau n'est-ce pas ils vont tout noter venir tout est génial oui d'ailleurs nous allons partager des nouvelles au bureau maintenant enfin le bureau reprend vie maintenant fédia avant que tu continues je vois juste un commentaire ici quelqu'un demande de parler plus fort collègue vérifiez le son tout est-il assez fort et spectateurs Dites-nous si vous nous entendez, si ce n'est pas trop silencieux. Eh bien, on m'entend généralement à voix basse, alors s'il vous plaît, augmentez le volume. Oui, eh bien, à propos des nouvelles, oui, eh bien, alors continuez. Eh bien. Donc, voici les principales nouvelles. En général, le travail sur le véhicule progresse et le travail sur les matériaux est actuellement effectué par la société russe IT e Resources. Et nous avons également un certain nombre d'entreprises étrangères qui font partie de Solar Group. Nous envoyons déjà des demandes. Deux types de demandes sont envoyées concernant les matériaux. La première concerne l'achat de matériel prêt à l'emploi. En général, nous avons passé en revue l'ensemble du marché, les matériaux disponibles. Toutes ces entreprises ont été répertoriées et des contacts ont été obtenus. Nous envoyons des lettres. Nous découvrons simplement ce qui se passe sur le marché, prenons les spécifications des tissus, le coût, les délais de livraison estimés, etc. C'est l'une des demandes. Matériaux pour l'enveloppe d'un dirigeable souple. Le deuxième type de demande est de produire notre tissu selon nos spécifications techniques et de le distribuer en Russie, à l'international ainsi qu'en Chine et dans diverses autres régions du monde entier. Et le troisième type de demande est de créer conjointement un nouveau tissu et une autre spécification technique. Plus d'informations plus tard, le travail sur les matériaux progresse, des leaders choisis et nos spécifications techniques pour le premier dirigeable souple rédigé. Le travail sur les moteurs est également effectué dans à peu près la même direction. Nous, avec Ruslan, avons un certain nombre de moteurs prêts à être installés sur le dirigeable. Ils sont déjà à notre disposition. Donc, le premier volera certainement et il est clair sur quoi. Mais il y a aussi des discussions sur la production en série. Actuellement, il y a un fabricant en Russie qui est prêt à fournir ce moteur en série. Pendant ce temps, Ruslan sera probablement en train de préparer la série, mais nous en parlerons un peu plus tard. Au fait, lors de la conférence, nous expliquerons car il y aura de la clarté à la conférence. Quelque chose de révolutionnaire. À propos des moteurs, nous contactons également des entités étrangères. La Chine a des moteurs, nous leur avons écrit et nous sommes en communication avec eux. Et il y a deux types de moteurs en provenance d'Europe qui nous conviennent et nous avons également des discussions avec eux. L'apparence de l'appareil a été déterminée. L'apparence est essentiellement sa forme. Les formes ont des noms. Le nôtre s'appellera Percival. Il ne s'appellera pas ainsi, mais c'est le nom de la forme. Ces formes ont un paramètre appelé élongation, qui est le rapport entre la longueur et le diamètre. Nous aurons un allongement de 4,5. Donc nous avons déjà la forme aérodynamique de notre appareil. Les calculateurs ont déjà déterminé les principales charges sur l'appareil, la traînée à différentes vitesses, altitudes, etc. En général, c'est uniquement sur cette base que les spécifications techniques ont ensuite été établies. Concernant les matériaux, quels matériaux sont nécessaires Et maintenant, ce travail est en cours. Sur cette base, des spécifications techniques seront élaborées pour les moteurs, leur puissance et les hélices. La sélection de cet équipement et de ceux qui s'en chargeront est actuellement en cours. Il y en a deux. 3. Actuellement, la logique de contrôle de l'appareil est en cours de formation, grosso modo, en fonction des moteurs, de la coque et de l'assemblage de la queue. La logique de contrôle de l'appareil est développée dans deux directions simultanément. La première chose est de savoir quand la version pilote sera disponible. Il y a beaucoup de choses différentes, pour parler simplement, à partir du neurocasque. Nous vivons maintenant au XXIe siècle. Le pilote peut mettre un neurocasque et simplement contrôler l'appareil. Mais c'est assez risqué. Nous allons bien sûr expérimenter. Collègues, pendant que Fyodor parle de cela, veuillez diffuser la vidéo du schéma dont Fiodor discute. Aujourd'hui, je marchais dans le bureau. Et j'ai vu Mila, l'un des spécialistes travaillant sur cela, dessiner quelque chose d'intéressant au tableau. Nous avons enregistré une micro-interview avec lui et nous la publierons plus tard. Nous montrerons Samussier. S'il montre le diagramme maintenant, c'est un diagramme légèrement différent. La logique de contrôle des dispositifs est une chose, mais le système de contrôle de l'ensemble du dirigeable est une affaire plus complexe. Et c'est l'une des nouvelles les plus intéressantes. Le fait que nous avons formé une équipe solide au cours de la semaine dernière Parmi les trois génies notables se trouvent Dimitri, Ilia et Mila. Et ce que vous voyez là maintenant, oui, c'est Mila avec les gars formant un schéma de gestion générale. Des instituts entiers sont impliqués dans la création de ces schémas de gestion conditionnellement, et ils existent. Vous pouvez en prendre des prêts à l'emploi. Mais ils ne sont jamais vraiment prêts à l'emploi. L'appareil a ses propres systèmes de contrôle moteur, hélices. Nos hélices auront une rotation de transmission. La transmission est également entièrement développée par nous. Il y a des hélices, des moteurs à pousser, des gouvernails et des réservoirs d'air qui compressent l'hélium, ainsi que il existe des facteurs matériels qui affectent la position du dirigeable dans l'espace. Ensuite, des systèmes de contrôle devraient être introduits, c'est-à-dire qu'est-ce qui dévie exactement ce volant, à travers quel contrôleur c'est un système électrique, un système pneumatique et un système hydraulique complexe, et tout cela devrait s'assembler et être intégré dans un système de contrôle unifié. Il existe des solutions semi-prêtes, mais aucune solution complète n'existe car un tel véhicule n'existe pas encore. Il y a des solutions semi-prêtes sur lesquelles de grandes entreprises russes, pour ainsi dire, travaillent. C'est assez cher et quelque peu dépassé. Je m'excuse, oui. Nous allons créer notre propre système. Tout d'abord, cela nous coûtera beaucoup moins cher. Deuxièmement, il sera super moderne. Je parle même d'un Eurocasque que nous pourrons connecter. Et troisièmement, développer un système de contrôle indépendant pour le dirigeable représente plus de la moitié du dirigeable lui-même. Il s'avère que oui. Alors, collègues, montrez le diagramme, car la vidéo se termine plutôt rapidement. Mais n'est pas nécessaire de le regarder là-bas. Eh bien, quelquefois, afin que quelqu'un d'intéressé puisse y réfléchir. Oui, puisse y réfléchir. Eh bien, Mila est actuellement à écrire un premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. En fin de compte, tout se résumera à des capteurs spécifiques, des moteurs et d'autres composants, comme des servomoteurs. Et ce système de contrôle est l'un des plus précieux dans ce dirigeable car le gonflage d'un ballon avec un gaz porteur, l'attachement d'une hélice et d'un moteur pour le faire tourner, a été réalisé il y a 130 ans. Ainsi, le dirigeable moderne est essentiellement une station automatisée, un ordinateur, un robot qui, grâce à son intelligence, atteint des caractéristiques de contrôle sans précédent, notamment dans la façon dont il se gère avec le vent, confort et sécurité. Donc en effet, le travail sur le système de contrôle a commencé. C'est donc intéressant. C'est considéré comme la nouvelle la plus importante récente. Cette nouvelle fait le buzz et suscite une attention généralisée. Elle est discutée par beaucoup en raison de son importance. La logique de contrôle de l'appareil est en cours de développement. Deux options. Une option est sans pilote. Quand Sergei Viktorovitch est effectivement venu avec le pilote, bonjour. La logique de contrôle du véhicule est en cours de développement. Le deuxième aspect concerne l'introduction possible de pédales pour le pilote, similaires à celles d'un hélicoptère, ainsi qu'un système de contrôle de poussée, un levier et des commandes pour la direction, l'assiette, etc. Et ces arrangements et combinaisons peuvent être complètement différents de plusieurs façons différentes et variées. Nous choisirons celui qui sera sur notre véhicule piloté en option. Il a presque été sélectionné à partir du schéma, et puisque c'est presque sélectionné, nous savons déjà ce qu'il y aura à la fin. Nous avons déjà commencé à assembler un simulateur pour tester les systèmes de docking automatique, de chargement, de déchargement, etc. Donc un simulateur apparaîtra bientôt dans le bureau et je pense que les trois gars qui gagnent le concours d'idées, quand ils viendront ici, pourront certainement même voler sur un dirigeable virtuel. Alors, concernant le bureau, quelques nouvelles. Eh bien, le bureau est en train d'être meublé. Vous voyez nous ne traînons plus dans un espace vide, n'est-ce pas Pas seulement des murs nus. Une partie des meubles est arrivée, la deuxième partie est déjà payée et est en route. Tout sera complètement prêt d'ici la semaine prochaine. Nous avons mis en place un serveur local ici, avec du stockage, et en général, les ordinateurs sont connectés dans un réseau local. Plusieurs stations de travail puissantes ont été installées, principalement pour les spécialistes des moteurs qui y travaillent actuellement. Bientôt, Lorsque la phase de conception commencera, en particulier la conception préliminaire, la construction des structures débutera, notamment des dirigeables, y compris les gondoles et les transmissions, et ainsi de suite. Tout devra être calculé, observé et modélisé sous différentes charges. Les postes de travail en général sont déjà préparés pour cela. Des centres de calcul, oui. Et en ce qui concerne le bureau, vendredi, nous avons des personnes qui viennent de Tiflex, si quelqu'un sait, c'est notre entreprise post-soviétique, qui est quelque chose comme AutoCAD, mais qui a depuis longtemps dépassé AutoCAD. Ils vont nous le dire, mais il n'est pas nécessaire de nous le dire. Je comprends en fait tout parfaitement bien. En général, un système unifié était nécessaire où la gestion des documents sera effectuée, des notes de service conditionnelles à la documentation de conception. Tout cela devrait être dans un seul système. DeFlex dispose d'un tel système. L'équipe viendra, fera une présentation et examinera le tout. Comment tout est organisé ici et j'espère que nous travaillerons effectivement dans leur environnement. Il existe un système de gestion d'entreprise. Si quelqu'un est intéressé, donnez quelques likes et je le partagerai. Toutes les capacités de t vraiment avec fierté. C'est vraiment génial que nous ayons cela parce que diverses entreprises comme Siemens, Enix et bien d'autres ont quitté le pays en raison des sanctions. C'est bien que nous ayons nos propres produits informatiques. Donc, demain nous aurons une grande réunion importante spécifiquement sur quel environnement travailler. L'environnement a déjà été déterminé. En fait, nous allons simplement commander une formation pour certains employés qui ne sont pas encore familiers avec celui-ci. Nous avons également un laboratoire avancé à la pointe de la technologie et ultramoderne maintenant. Nous avons publié des informations à ce sujet, créant d'abord un certain mystère, et avons demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Au fait, il y a eu des réponses. Les gens suivent de près le projet. Maria Jouja, il semble que oui. Quelqu'un d'autre est là. Mmh. Denis, peux-tu dire quelques mots sur ce qui est dans le laboratoire et quel travail s'y fait Oui, nous sommes actuellement dans le laboratoire en train de tester le système de communication pour la sonde stratosphérique. Donc un système est déjà prêt et je suis actuellement en train d'assembler le deuxième système. Nous allons tester soigneusement les deux systèmes et celui qui performera le mieux, nous l'utiliserons finalement, c'est-à-dire pour la communication entre la stratosphère et la Terre et cela peut être utilisé entre deux sondes, c'est-à-dire des stratosphères. Il est également possible d'établir un point de communication complet, c'est-à-dire lancer de nombreux véhicules stratosphériques et intégrer les dans un seul système au lieu d'un satellite. En général, il ne s'agit pas de savoir lequel est le meilleur. Ce sont deux systèmes différents. L'un est peu puissant, l'autre est très puissant. Les deux devraient simplement fonctionner. L'un est destiné à certaines tâches, l'autre à des tâches différentes nous sommes venus au véhicule stratosphérique. Oui, je vais partager un peu de, de nouvelles sur ce qui se passe en général. Eh bien, allons-y. Nous avons lancé tout ce projet stratosphérique. Ce que Denis fait actuellement dans le laboratoire, ce sont des expériences préliminaires. Elles seront réalisées à l'aide de ballons en latex ordinaire, c'est-à-dire que pour lancer quelque chose dans la stratosphère, vous devez le remplir de gaz afin qu'il monte vers le haut. Pour réduire les coûts, il existe des ballons météorologiques réguliers, des ballons en latex gonflés à l'hélium. On les libère avec un certain équipement et l'ensemble s'élève pendant environ une heure et demie, atteignant une certaine altitude. Finalement, le ballon éclate et l'équipement atterrit avec un parachute. C'est très bon marché, efficace et rapide, et nous allons bientôt effectuer un tel lancement pour tester ces deux systèmes de communication. Nous réaliserons probablement un autre lancement pour répéter l'expérience, que le résultat soit bon ou mauvais, afin de le confirmer. C'est un système avec un ballon en latex et l'autre est un système de longue durée, c'est-à-dire le véhicule stratosphérique qui volera finalement sur de longues distances, fournissant une communication durable sur ces distances. Pour cela, un ballon en film spécial est utilisé au lieu d'un en latex et il est beaucoup plus grand. De plus, il y a un système pour changer d'altitude et ces ballons sont spécifiquement fabriqués pour nous par l'Université Bowman selon notre commande. Ainsi. Avec enthousiasme, avec les gars de l'Université Bowman, nous avons conçu ce programme et avons essentiellement et fondamentalement façonné le développement de cette direction. Et ils se sont impliqués, achetant tout le film d'ailleurs qui est utilisé pour fabriquer ces dispositifs, à partir de ce film transparent. Dans notre pays, il ne reste qu'environ 16 km et plus de 16 km de long, environ 2 mètres de large, essentiellement comme un rouleau. Il est peu probable que quiconque produise davantage dans un avenir proche, donc ils ont tout pris. À partir de ce film qui est en rouleau, vous devez découper des pétales et souder ces pétales ensemble. Cela forme une sphère. Le ballon est en train d'être rempli d'hélium et il ressemble à cela. Nous allons le montrer maintenant. Montrer ces images plus longtemps pour que les gens les comprennent. Il y a des images générées par un réseau de neurones. Elles ressemblent à une citrouille. À la fin, c'est lorsque toute la forme est complétée. Et au début, cela donne ce volume d'hélium. Tout le ballon reste simplement suspendu, compressé comme un sac. Et seulement alors qu'il s'élève, la pression change à l'extérieur et il continue à se remplir. Et finalement, oui, il se remplit, une citrouille transparente. Et maintenant, les gars dans la Bonka ont certainement développé et assemblé deux types d'équipements de soudage afin de... Eh bien, le plan de découpe est déjà là, il n'y a rien de compliqué à ce sujet. Mais nous avons assemblé l'équipement de soudage pour souder ces pétales en une seule citrouille. La semaine prochaine, dans le calendrier, le processus de découpe et de soudure complexe de cette grande sphère transparente aura lieu. Nous allons filmer et expliquer comment tout cela fonctionne. Pendant ce temps, des systèmes pour changer d'altitude sont en cours de développement. Les Américains avaient un tel système, mais il n'a pas tout à fait répondu aux attentes c'est lorsqu'une membrane est ajoutée à l'intérieur de la sphère elle même, où l'air est pompé, la membrane se dilate, comprime l'hélium, et le véhicule stratosphérique descend de manière conditionnelle, afin qu'il ne s'échappe pas complètement ou n'explose pas ainsi. Mais ici, la pression interne est très forte, et un matériau très durable doit être fabriqué le système est moyen, il y a plusieurs autres systèmes, je te dirai lequel nous aurons, et pour les autres, je pense que Kmel en a déjà parlé, donc nous pouvons répéter si nécessaire. Il y aura un ballon de lest supplémentaire ici, ce qui signifie qu'il y aura un grand ballon qui crée de la portance avec l'hélium, et il y aura un ballon avec, euh, comment ça s'appelle Une petite turbine qui est capable de pomper l'air de manière constante, cohérente et de façon fiable. Un ballon haute pression. Plusieurs kilogrammes d'air peuvent y être ajoutés, augmentant ainsi le poids du système. Par exemple, lorsqu'il est nécessaire de le descendre ou de libérer cet air par des vannes, ainsi pour augmenter l'altitude. Et ce changement d'altitude, c'est une chose complexe. Tout d'abord, calculer. Deuxièmement, coordonnez tout cela avec le vent. Troisièmement, assurez-vous que tout cela fonctionne pendant longtemps. Actuellement, en effet, une part significative du travail sur cet appareil est réalisée par l'université Bowman. C'est la nouvelle. L'équipement de soudage est prêt le matériel a été acheté. La semaine prochaine, nous allons couper, souder et montrer. Pendant ce temps, un système de communication est en cours de développement ici. Voilà comment cela se passe. Eh bien. Vous avez naturellement déjà partiellement parlé du véhicule stratosphérique et de la manière dont il est préparé. Maintenant, nous aimerions en savoir plus de la part de Denis sur ce qu'il a fait et sur les détails techniques qu'il pourrait y avoir. Pour commencer, Fedia, pourrais-tu expliquer une fois de plus ce qu'est un véhicule stratosphérique, pourquoi il est lancé et pourquoi l'entreprise a pris cette direction, puisque nous semblons parler de dirigeables et de certaines stratosphères Il y a l'atmosphère, il y a la stratosphère, il y a l'espace et au-delà. L'espace extérieur, dans l'immense univers. Les gens ont appris à voler dans les airs en utilisant des hélicoptères, des avions, des dirigeables et des ballons. Des satellites ont été lancés dans l'espace, mais la stratosphère est encore libre. Bien sûr, divers passionnés de radio enthousiastes lancent souvent des ballons météorologiques similaires dans la région. Périodiquement, ou plutôt constamment, des ballons météorologiques y sont lancés. Ceux qui prédisent la météo, les vents, etc., ils les lancent par milliers. Cependant, utiliser la stratosphère comme un espace commercial où les signaux peuvent être retransmis, dupliquant essentiellement le travail des satellites, est quelque chose dont tout le monde rêve. Même Google a été impliqué dans ce projet à un moment donné, mais le programme a été arrêté en raison de la Covid, bien qu'il se développait assez bien. En général, tout le monde veut occuper la stratosphère pour fournir des communications radio, internet, télévision, etc. Denis Filipov expliquera plus précisément comment tout cela fonctionne. Pour que la connectivité internet et télévision apparaissent dans un endroit en Afrique, par exemple dans un pays où il n'y a pas de connexion, un satellite doit être positionné au-dessus d'eux. Lancer son propre satellite est coûteux. Oui, sinon quelques ballons supplémentaires, et c'est tout. Des ballons contrôlés. Parce que si on lâche un ballon, il s'envole. Il est emporté par le vent. Nous nous dirigeons vers de grandes plateformes stratosphériques, dirigeables, qui peuvent emporter quelques tonnes d'équipement. Et cela, c'est déjà une communication sérieuse. C'est vraiment une tâche presque gouvernementale, en fait. Mais en ce moment, comme on dit, c'est la commercialisation. Ils fournissent des services à l'État. Il est attrayant sur le plan commercial de lancer un tel système, et donc, les premiers pas vers cela sont de petits appareils, les mêmes que nous fabriquons actuellement avec Bowman University. C'est un réglage en hauteur. Tu choisis, tu changes d'altitude, tu choisis le vent dans une direction, dans une autre, dans une troisième, et tu restes en suspension au-dessus d'un point précis. Il est clair que le point est suffisamment grand, mais si plusieurs appareils sont présents, ils peuvent assurer la communication dans une région donnée. C'est justement pour cela que cela est fait. C'est en effet beaucoup moins cher que les satellites, c'est produit de manière significative plus rapidement, c'est développé également plus rapidement et offre les mêmes services commerciaux. C'est beaucoup plus simple. Donc il s'est écoulé littéralement deux mois, un peu plus depuis le début du projet, et nous sommes déjà vraiment prêts à lancer le premier appareil dans les prochains jours. Ce n'est pas parce que c'est si facile. C'est parce que ces gars qui sont arrivés dans l'équipe récemment, ils s'y sont consacrés comme à un hobby. Ils comprennent tous qu'il est nécessaire de le faire. Ils allaient de bureau en bureau, frappaient, disaient que c'était très important, ouvrons le programme, finançons tout cela. Mais jusqu'à présent, ils n'ont réussi à convaincre personne et ont parallèlement travaillé eux-mêmes sur le projet. Donc tout était en réalité prêt. Il manquait juste un peu de financement. Ce financement, grâce aux investisseurs, est arrivé et tout cela s'est rapidement mis en route. Et nous commençons même déjà à lancer. Eh bien, je pense que c'est assez clair, très intéressant. Est-ce que le lancement aura vraiment lieu le 27 Cela dépendra de la météo. Nous nous basons sur les conditions météorologiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de le lancer, la météo, des détails techniques Un temps clair pour que tout soit visible. S'il pleut et qu'il y a du brouillard, ce ne sera pas ce que l'on espérait. Oui, nous allons tester deux systèmes de transmission de signal, ainsi que la vidéo en streaming depuis la stratosphère, en temps réel. Nous avons choisi 200 km. La distance, c'est à peu près celle à laquelle les appareils stratosphériques doivent voler lorsqu'ils volent en essaim, par exemple dans un nuage. Entre eux, il y a jusqu'à 200 km, de manière conditionnelle. Nous avons jugé que ces modèles étaient suffisants et nous voulons tester ce système en vol. C'est de la Terre à l'air, de la Terre à la stratosphère. Ensuite, ce sera de la stratosphère à la stratosphère. Ensuite, on pourra avoir deux sphères, et vérifier comment elles communiquent. Oui, et là il y aura une transmission vidéo en temps réel de bonne qualité, et je n'ai pas envie de le soulever et de regarder les nuages. Mais bien que le ballon puisse être lancé même sous l'orage, la pluie ou la neige, cela est compréhensible. Oui, l'image sera certainement simplement monotone. Le direct ne sera pas très bon, d'un côté. De l'autre, nous allons tous nous mouiller et geler. Oui. En gros, ce qui est le plus intéressant, c'est que cet appareil stratosphérique va diffuser en direct. Transmettre le signal à un ordinateur et nous essaierons de vous montrer ces images directement depuis la stratosphère sous forme de webinaire afin que vous puissiez voir ces séquences depuis notre appareil. Denis, peux-tu parler de la puissance? Nous avons choisi deux puissances dans un seul système où il y a un lien bidirectionnel à 2,4 GHz avec une puissance d'émetteur de 8 watts. C'est-à-dire 8 watts au sol et 8 watts en stratosphère. Le deuxième système fonctionne également à 2,4 GHz avec une largeur de canal de 100 mHz, et là la puissance peut être augmentée de 0 à 300 watts. Nous pourrons ainsi vérifier quelle puissance nous est nécessaire pour surmonter 200 kB, et il n'est pas nécessaire d'en soulever davantage. 8 watts pour une portée d'environ 200 km dans la stratosphère semble certainement irréaliste. Oui, donc juste un peu plus au cas où vraiment. Prenons 300. C'est le maximum, oui. Donc nous allons réguler progressivement et voir quelle puissance sera réellement nécessaire. Peux-tu expliquer simplement si 300 watts pour une antenne c'est peu C'est beaucoup Que peut-on faire exactement avec 300 watts. Eh bien, c'est analogue à 300 watts, par exemple, de lumière ou de chaleur. C'est comme un sèche-cheveux électrique. Non, mais une antenne de signal radio d'une puissance de 300 watts, c'est très... Eh bien, cela dépend de la fréquence, parce que si tu prends une plage, disons, en mégahertz, 300 watts, alors là, je ne sais pas, le signal fera le tour de la Terre, voilà. Si l'on considère des fréquences élevées, SVC, la communication radio est possible uniquement en ligne de vue directe, car le signal ne peut pas se réfracter, et la puissance est à la fois suffisante et insuffisante. Il est donc nécessaire de vérifier. Peut-on souffler jusqu'à la Lune On peut souffler jusqu'à la Lune, oui. On peut recevoir un signal réfléchi de la Lune. 300 puissance. Bien sûr, sans aucun doute. Et nous élevons peut-être un peu plus l'atmosphère. Eh bien, alors donc oui. Et quand vous avez mené l'expérience avec le laboratoire, nous étions tous là, c'était vraiment sûr Bien sûr, sans aucun doute. Parce que quelqu'un a dit qu'on pouvait rôtir un pigeon Eh bien, le fait est que ce n'est pas une puissance constante, c'est impulsionnel. C'est-à-dire que des paquets de données sont envoyés et que la puissance moyenne atteint là où il y a un maximum de 30 watts. Nous n'avons pas besoin de tout cela pour émettre. Les 300 watts en continu. Denis, raconte-nous en détail, c'est toi qui as assemblé ce système de communication, n'est-ce pas D'où te viennent tout d'abord de telles compétences Parle-moi de toi. Et où as-tu peut-être travaillé auparavant et comment es-tu arrivé dans l'entreprise Eh bien, auparavant, je travaillais à Roscosmos, tout comme Fiodor. C'est là que je l'ai rencontré. Voilà comment je suis arrivé dans cette entreprise. Je m'intéresse à la radiocommunication. Par conséquent, tout ce qui concerne la radiocommunication m'intéresse et en passant, l'électronique de puissance est également intéressante. C'est-à-dire, par exemple, que les moteurs modernes, comme les moteurs sans balais, sont tous alimentés par des onduleurs à transistors. En conséquence, d'ailleurs, on peut développer son propre système pour les dirigeables. Voilà. S'il vous plaît. Et les stations de charge sont en quelque sorte terrestres. C'est-à-dire que le dirigeable atterrit. On peut même envisager une recharge sans fil, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il atterrisse, il va flotter à une certaine distance. Et grâce à un champ magnétique, par un moyen inductif, on peut en quelque sorte charger la batterie à vortex, c'est-à-dire que la distance est en principe de quelques dizaines de mètres. Il n'est même pas nécessaire de le faire atterrir. Savais-tu quelque chose sur les dirigeables avant que Fedor ne t'invite dans l'entreprise Pas vraiment. Je savais juste pour la stratosphère. Alors, raconte, comment tu t'es organisé Je sais que tu es toujours dans le laboratoire, je suis venu dès ce matin, je pense que Denis n'est pas là. Fedor, quand Denis arrivera, on dirait qu'il y a une diffusion, mais Denis n'est même pas sorti du laboratoire une seule fois aujourd'hui. On peut voir que c'est une personne passionnée, vraiment, tu es constamment occupé par quelque chose. Alors, raconte comment tu as fait cela, quelle petite tâche tu as peut-être résolue dans le cadre de ce petit projet. En fait, tout est assez simple là-bas, c'est-à-dire que nous avions une tâche d'environ 200 km. D'après mon expérience, je sais que la puissance de 300 watts est largement suffisante, donc on peut même la réduire. Notre système d'antenne sera directionnel. C'est-à-dire que, comme il s'agit d'un lien bidirectionnel, il faudra communiquer avec la Terre depuis le sondeur. Il y aura deux antennes émettrices et réceptrices sur le sonde et deux antennes émettrices et réceptrices au sol, dans le champ. Il faudra également livrer la vidéo en full HD sur YouTube ou sur une plateforme similaire, sans aucun délai. C'est pourquoi il y aura aussi un système de type 4G sur la tour afin d'assurer une connexion à 100% sur le terrain, en cas de besoin, de manière très efficace. C'est aussi un système PI Oui, oui, c'est-à-dire que voici le système de livraison complète de l'image vidéo dans... Internet. En gros, tu l'as assemblé avec ce qui est disponible sur le marché, ou tu as simplement soudé l'amplificateur toi-même J'ai assemblé ce que je pouvais, enfin, ce qu'il y a de mieux sur le marché. Mais j'ai dû faire certaines choses moi-même, car pour les amplificateurs, il y a deux amplificateurs dans le bloc. Sur le marché, tout d'abord, il est impossible de trouver des amplificateurs de 300 watts, car personne n'utilise de telle puissance, c'est trop. Il a fallu installer ses propres amplificateurs et utiliser un système de transmission vidéo prêt à l'emploi, car il n'y a pas de sens à en créer un nouveau maintenant. Cela a donné un ensemble. Un kit Tu as probablement fabriqué l'antenne toi-même Nous avons partiellement fabriqué les antennes nous-mêmes, car toutes les antennes en vente ne sont pas de bonne qualité. Ce qui est bon, nous l'avons acheté. App, parce qu'on a acheté une très bonne lampe. On peut vraiment le faire, on l'a fait nous-mêmes. Et si l'on devait trouver un équivalent, combien cela pourrait-il coûter Peut-on acheter quelque chose comme ça quelque part Le système peut certainement être assemblé par blocs. Oui, en effet, il coûte environ... C'est-à-dire la télémétrie, la transmission vidéo, plus la transmission de certains signaux dans la zone de 900 000, c'est-à-dire un ensemble... Si c'est juste pour acheter 900 000, alors il n'y a pas de telle capacité... Oui, c'est le minimum disponible mmh. là-bas. C'était vraiment un petit ensemble... Oui, nous y parvenons. Il y a des spécialistes qui peuvent le faire eux-mêmes. Tu dis simplement, eh bien c'est simple, assembler le système. Non, en fait oui, ce n'est vraiment pas compliqué. Le système de gestion du dirigeable sera déjà plus intéressant. Ah, ce sera difficile. De faire en sorte que les dirigeables communiquent entre eux à l'avenir. C'est-à-dire que nous devrions avoir un réseau global. Donc tous les dirigeables devraient pouvoir communiquer entre eux et corriger leur orbite, monter ou descendre. Et il devrait y avoir des réseaux d'antennes directionnelles, car le dirigeable stratosphérique, c'est-à-dire qu'il obtiendra son énergie du Soleil, ne pourra donc pas avoir beaucoup de batteries à bord. Par exemple, pour cela, il est essentiellement nécessaire de préserver le signal, et les réseaux d'antennes doivent être orientés en temps réel vers la zone où ce signal est requis, à tout moment afin de garantir une couverture optimale. Et si, par exemple, le signal peut être inutile, il sera simplement éteint ou passera en mode veille. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu des solutions nouvelles trouvées grâce à ce développement qui ne sont peut-être pas brevetées Et, par exemple, cette solution pour les dirigeables, pourra-t-on l'utiliser, n'est-ce pas Soit c'est cette solution soit nous utiliserons la radiocommunication troposphérique, c'est-à-dire le reflet de la troposphère, nous pourrons alors simplement nous réfléchir à partir de la troposphère et avoir un canal de communication à travers le globe. Ce sera même plus simple à réaliser et plus facilement. Et où que le dirigeable se trouve sur la planète Oui, oui, il sera toujours en contact. Génial, n'est-ce pas C'est vraiment un réseau de dirigeables. C'est un réseau à l'envers et aussi le fait que nous avons des spécialistes en intelligence artificielle, et tout cela lié dans une intelligence commune, cela offre un avenir certain Oui. Si l'on ajoute ici l'idée de Google, Google prévoyait de soulever des serveurs avec des dirigeables afin de les refroidir là-haut. Donc si l'on élève les capacités serveurs, les ressources de calcul, qu'on les relie en un seul système via une communication troposphérique, et qu'on y ajoute de l'intelligence artificielle, on peut déjà se diriger vers un véritable chaos. Denis, peux-tu dire quelles sont les prochaines étapes que tu envisages au sein de l'entreprise, ce que tu vas développer Alors, que prévoyons-nous de faire ici Actuellement, nous travaillons sur un système de communication, puis nous pourrons nous occuper des enveloppes de dirigeables, c'est-à-dire créer des matériaux pour que cette enveloppe puisse également convertir l'énergie solaire en électricité. C'est-à-dire que les panneaux solaires sont en fait flexibles, donc nous avons besoin qu'ils pèsent le moins possible. L'efficacité de ces panneaux flexibles doit au moins égaler celle de ces grands panneaux solides qui pèsent très lourd. Si nous créons une telle enveloppe, ce sera un dirigeable totalement autonome, il n'aura plus besoin de rien. Oui, les gars comprennent comment prendre ce matériau conditionnellement en coque et y pulvériser un panneau solaire. En fait... Eh bien je me souviens, j'avais posé la question, vous comprenez comment cela peut être fait Oui, bien sûr. Et les panneaux solaires puisque ces technologies existent déjà où peut-on les trouver Eh bien, ils existent, mais ils pèsent beaucoup, c'est-à-dire qu'il nous faut un poids minimal pour que ce soit vraiment une très fine couche de semi-conducteur. Oui, comme tu l'as bien dit, nous allons l'appliquer par pulvérisation, c'est-à-dire un dépôt en couche, par exemple, immédiatement sur des morceaux de coque où il sera possible de prendre une coque prête et de la déposer petit à petit. Eh bien là c'est clair, il y a différents types d'expériences. J'ai maintenant une question en tant que spectateur. Tu t'occupes de la radiocommunication, de l'électronique de puissance, et qu'en est-il du revêtement C'est de la technologie sous vide, ça m'intéresse. Es-tu intéressé par cela Je m'en occupe en partie. Oui, c'est intéressant. En fait c'est assez large. Notre spécialiste en technique du vide est Artem. Et quand nous parlons de Denis, qui est en radiophysique, il étudie en réalité aussi beaucoup de plasma. C'est ici que l'on utilisera le pulvérisation plasma. Et si vous avez besoin de générer quelque chose, une boule de feu, un anneau plasma, ou du feu plasma de 3 mètres de haut, ou des éclairs de 20 mètres de long, vous pouvez vous adresser ici. Et qu'est-ce qui est encore prévu Nous prévoyons de réaliser une expérience avec du houblon. En conséquence, ici dans le laboratoire, nous avons construit un petit modèle de dirigeable expérimental et essayé d'ioniser l'hydrogène. C'est-à-dire, par exemple, ioniser et chauffer de manière efficace avec soit de l'hydrogène, soit du gel. Pourquoi cela En effet, pour assurer une capacité de charge plus importante et pour qu'il puisse flotter, c'est-à-dire soit le faire descendre par chauffage, soit quand tu ne chauffes pas, il va atterrir. Oui, en général, ils ont une idée. Dimitri Kmel déborde d'idées géniales. Mais une partie de l'équipe ne les accepte pas car elles sont expérimentales. Il n'est pas toujours souhaitable de tester des expériences immédiatement. On peut construire un dirigeable à hélium, mais y ajouter un système de chauffage pour l'hélium. Il s'agit déjà d'un dirigeable il vole ainsi il peut transporter des charges, et tout va bien. Mais s'il y a une tâche pour transporter plus de charges, chauffer l'hélium. Chauffer semble simple, mais c'est plus complexe. Et l'une des solutions est de le chauffer avec des plasmatrons conditionnellement. Et si quelque chose doit être chauffé avec un plasmatron, on peut s'adresser à Denis, soit avec un plasmatron, soit on peut chauffer une grande zone locale. C'est-à-dire l'ioniser, et progressivement, elle va gagner des degrés. C'est-à-dire avec des ondes radio. Choisir un rayon d'irradiation, disons, une certaine zone et la chauffer comme ça. Voilà, c'est une idée, c'est-à-dire simplement créer un tel système de chauffage. Juste le tester. Voir dans quelle mesure, pour ainsi dire, il est efficace. Parce qu'il aura un certain poids. Il consommera une certaine quantité d'énergie. Naturellement, il faut donner quelques avantages. Et simplement comparer tout cela. Et il y a une deuxième idée révolutionnaire, je l'ai aussi entendue. Cela est également lié à l'ionisation des gaz. On peut en gros allumer une plasma froide là-bas. Et il n'y aura pas de chauffage. Mais en même temps, tous les mêmes avantages seront présents. Je pense que nous ne devrions pas en parler pour l'instant. En gros, cela montre que dans notre entreprise, il s'agit d'un travail scientifique sérieux. Ce n'est pas comme si nous avions acheté des morceaux quelque part en Chine ou en Russie, assemblé un appareil et décollé. Nous faisons beaucoup de choses, mais pour réaliser un projet, il faut d'abord expérimenter. C'est pour cela qu'il nous faut un laboratoire, pour réaliser des expériences, et pas seulement... Département des technologies avancées. C'est ainsi que l'on peut nommer le laboratoire... C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce que certains brevets commencent à apparaître, bien sûr. Il y a une telle tâche, n'est-ce pas Tâche, pourquoi pas. En gros, on peut tout breveter à partir d'aujourd'hui. La question est, pourquoi Eh bien, tout d'abord, cela indique, je pense, un certain statut de l'entreprise. Non, si nous fabriquons un panneau solaire extrêmement flexible, innovant et très performant, il faudra le breveter. Eh bien, l'actif est aussi un actif immatériel qui peut également constituer la base de l'entreprise, et c'est formidable que nous comprenions, ou plutôt que nous ayons la possibilité de le faire, de créer justement certaines innovations, parce que c'est un projet vraiment assez scientifique, en fait, très intéressant et à bien des égards... Bien sûr, nous allons breveter cela. J'ai simplement une opinion personnelle qui n'a rien à voir avec la vie collective de l'entreprise. Et le fait que le système de brevet soit en général une chose plutôt douteuse, eh bien, c'est exactement ça. Il suffit de breveter, mais vous pouvez ouvrir ces moteurs de recherche de brevets et il y a tant de choses qui sont brevetées et il n'y a rien ici. On vit presque à l'âge de pierre par rapport à ce qui est breveté. Mon avis est le suivant. Il vaut mieux assembler un appareil fonctionnel non breveté D'avoir 20 appareils non fonctionnels, mais bon sang tellement cool et brevetés. Pour nous, pas comme organisation, breveter tout n'importe quoi n'est pas utile. Dans les entreprises, ils priment les employés et brevettent, ils existent. Nous avons besoin de brevets qui rapporteront de l'argent. D'un autre côté, les gens écrivent souvent qu'il ne faut pas breveter quoi que ce soit, car les gens vont regarder, prendre vos idées, les voler, mieux vaut les laisser ici où personne ne le sait. Nous avons un spécialiste de très haut niveau qui est spécifiquement justement dans le domaine de l'étude des brevets. Je pense que nous allons bientôt l'intégrer au projet. Et il nous le dira. Il est évident qu'il faudra breveter certaines choses. Pour simplement protéger notre composante commerciale dans le projet. Nous pouvons fantasmer comme nous le voulons. Le spécialiste dira ce que nous allons faire et nous le ferons bien sûr. Concernant le laboratoire et ce qui s'y passera en général. Tout d'abord, je comprends que tu as ta propre chaîne YouTube. Dans l'une des vidéos, on en a déjà parlé. Je ne sais pas si cette activité sera couverte ou non, ou s'il s'agit de quelque chose de personnel pour toi. Non, on peut bien sûr accéder à la chaîne YouTube. Nous enverrons alors juste le lien quelque part. Que se passe-t-il dans le laboratoire Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Denis. Là, vous publiez aussi diverses expériences personnelles. Si je comprends bien, t'as même une certaine audience, 25 000 abonnés. Denis, vous voyez, c'est un tel spécialiste. En réalité, le domaine est, disons, étroit. Ce n'est pas pour tout le monde. Très étroit. Oui, mais étant donné que tu as un si grand nombre d'abonnés sur un sujet aussi étroit, cela signifie que tu te débrouilles vraiment bien dans ce que tu montres. C'est intéressant. Oui, et ce qui est drôle, c'est que récemment, nous avons justement parlé du système de contrôle. Ilia est venu au bureau a travaillait sur le système de contrôle pour le U-30, enfin, il le faisait concrètement de ses propres mains, et Ilya a été amené au bureau par Denis. Et quand Ilia est arrivé ici, ils ont simplement « Ilya écrit à Denis. « Tu es vraiment en train de travailler sur le dirigeable ?» Il a répondu « Oui. Où est-ce ici ?» Ilya est venu ici et a vu Boris Alexandrovitch et Vadim Vassilievitch. Ils se regardent l'un l'autre. « Et toi, que fais-tu ici ?» C'est ainsi que, de manière régulière et souvent, les spécialistes se rencontrent. C'est donc une communauté, n'est-ce pas D'ingénieurs, de personnes passionnées par la science et la technologie, des gens passionnés par la science, oui, la technologie. On peut probablement dire ça, d'accord Eh bien, c'est ça. Et encore, autant que je sache, notre département aura d'une certaine manière cela... Potentiel dans la technologie notre département dédié aux technologies avancées. Notre département des technologies avancées aura sa ressource médiatique. Vous allez y publier vos expériences, ce que vous y faites. Il sera également possible de s'abonner et de suivre directement vos expériences. Oui, d'ailleurs, certainement. L'équipement va possiblement bientôt arriver, je suppose. Nous attendons tous Pavel l'opérateur. L'opérateur, oui, à partir du 1er novembre, nous n'avons rien. Le 24, il reste une semaine. Et dans une semaine, nous aurons enfin un opérateur et il y aura plus de contenu. Ami, il ne reste plus qu'à patienter une semaine. Oui, mais je comprends que les gars prévoient aussi de filmer en direct, n'est-ce pas Mais il faut quand même que quelqu'un d'autre monte, télécharge et traite soigneusement cela. C'est vrai, il y aura plus de contenu. Je dis ça car nous filmons parfois nous-mêmes. Aujourd'hui je marchais et j'ai vu Mélade. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, nous ferons aussi une interview avec Mélade où nous vous présenterons l'un des personnes qui développe le système de contrôle pour nos aéronefs. Je pense que ce sera intéressant. Alors, euh, je pense qu'on peut commencer à passer aux questions. Denis, peut-être que tu veux ajouter quelque chose Tu dis que tu n'as pas beaucoup entendu parler des dirigeables, mais tu connaissais peut-être les appareils stratosphériques, peut-être que tu as travaillé avec eux. La stratosphère m'intéresse en elle-même, simplement en tant que rayon de communication, et fascinante, et mystérieuse. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser deux points quelque part, de placer des mâts élevés, par exemple, de 300 à 500 mètres. On peut simplement irradier la stratosphère et le signal y circulera comme dans un tube, c'est-à-dire comme dans un guide d'onde. Ainsi, il est possible de vérifier cela à travers des sondes stratosphériques. Et toi, disons, bah, tu es le plus intéressant, le regard, la direction dans la stratosphère, oui, et ici, il s'agit précisément d'assurer la communication dans des zones difficiles d'accès, oui, Fedor en a essentiellement parlé, mais peut-être qu'il y a d'autres directions potentiellement intéressantes. Eh bien, nous pouvons effectuer là-bas, comme ce sonde peut accomplir certaines tâches, mesurer quelque chose dans la stratosphère, par exemple, le rayonnement solaire, une certaine activité, ou survoler des volcans pour les filmer, ou encore capturer des catastrophes naturelles. En d'autres termes, faire de la vidéographie. Fixer, d'un côté. De l'autre côté, oui, ces instruments scientifiques, les radiations, les compositions, les températures, les directions du vent, tout ça. C'est-à-dire la science, le suivi, la communication, la prévision de quelques certains cataclysmes. Cela doit déjà être un système complet. Cela, c'est analogue à Starlink, comme Elon Musk avec ses satellites. Ils accomplissent des tâches similaires à celles de la constellation de satellites. Ils ont uniquement Internet. C'est-à-dire qu'il est possible de faire de la communication stratosphérique uniquement par Internet seulement. C'est ce que Google Luna travaillait, mais à cause du Covid, il a été arrêté. Cependant, ils ont réalisé des expériences réussies, et dans certaines régions, ils ont assuré une connexion Internet stable, apparue grâce à un appareil stratosphérique. Et combien de jours, disais-tu, Fedia, le record de Russie, cet appareil a-t-il été suspendu Mais c'est justement ça. 4 jours. Dans l'Union soviétique, il volait plus longtemps, tandis qu'en Russie moderne, c'est un peu plus. 4 jours. C'est-à-dire que notre objectif, pour battre le record de la Russie dans ce domaine, est de créer un appareil, dans un premier temps, qui volera plus de quatre jours. Ce serait déjà formidable. En fait, il est prévu qu'il reste dans les airs pendant environ un mois, mais cela reste encore certainement incertain. Parce que ce qui a réellement été réalisé dans la Russie moderne, c'est quatre jours. Notre appareil sera suspendu pendant une semaine, battant déjà ce fameux record par deux fois. La seule tâche à accomplir est de comprendre que, en fait, il est crucial de noter que nos premiers appareils expérimentaux, eh bien, tout cela, ces appareils, bien qu'ils soient expérimentaux, sont conçus pour éventuellement contribuer à la résolution du problème, il va s'éloigner de la résolution du problème. Il est nécessaire de le détacher de manière contrôlée au bon endroit afin que l'équipement descende là où il nous est pratique de le récupérer. Voici l'une de ces tâches intéressantes. Et elle est en fait compréhensible, réalisable, etc. Juste pour que tu comprennes aussi... Atterrir de manière contrôlée pour qu'il ne tombe pas n'importe où. En Amérique, par exemple. Soit dans un marais, oui. Par exemple, le poser dans un champ. Eh bien, de préférence sur le territoire de notre pays... Au fait, quand il y a eu tout ce tumulte aux États-Unis, est-ce que le ballon chinois qui s'y est retrouvé était un appareil stratosphérique Oui, c'était un appareil léger et petit, avec une petite charge utile plutôt amusante. Donc, il les a fait un peu plus grands. Est-ce qu'il est allé là-bas par hasard ou non Oui. En réalité, le système de surveillance de ces appareils très petits est pratiquement inexistant. Et au-dessus de nombreux pays, il y a maintenant de tels appareils stratosphériques, avec des microsatellites minimaux Oui. Parce qu'ils sont radiotransparents. Il est difficile de les détecter avec quoi que ce soit s'ils volent. Et ils ne sont détectés par rien. Ils existent à la fois sous forme de radios amateurs et de dispositifs spécifiquement destinés à l'espionnage, et le fait qu'ils l'aient remarqué signifie probablement que quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu chez les Chinois. Ils ne devraient pas être remarqués. Nous allons construire de grands appareils qui seront visibles par tous, compréhensibles pour tous. Ils seront enregistrés, auront leurs coordonnées, un système de messages. Nous ne jouerons pas avec des choses aussi petites. Ce que nous allons lancer maintenant est conditionnellement petit, mais en réalité, nous allons le démontrer. Eh bien, donc des tests. Naturellement... Alors vous dites que le système fonctionne, qu'il y aura un regroupement de tels appareils, et vous avez aussi parlé des plateformes stratosphériques. Est-ce une sorte de prochaine étape C'est déjà, en gros, ça. Le stratosphérique, pour faire simple, est un son non contrôlé, elle monte, explose, et l'équipement atterrit en parachute. Pendant le moment de montée et de descente, elle effectue un travail utile. La prochaine étape, c'est quand il est contrôlé, il limite une certaine hauteur. Tout cela prend beaucoup plus de temps que là-bas, un peu plus d'une heure, là-bas quelques heures, un jour, et voici quatre jours, un record pour la Russie. Il volait quelque part, la prochaine étape est encore plus longue, par exemple, ce n'est pas quatre jours, mais au moins quelques semaines. Un appareil a travaillé pendant quelques semaines, tu les lances en groupe, avec une différence de seulement 200 km, ils volent et assurent déjà un certain travail utile en matière de communication. La prochaine étape est un appareil un peu plus grand, mais déjà par exemple avec des moteurs qui ne se déplacent pas seulement en hauteur, mais qui choisissent le vent et s'y adaptent. Il faut quand même compter sur le vent, un micro dirigeable, oui. Le prochain appareil est déjà celui qui lutte contre le vent, celui qui, bien sûr, change d'altitude et peut ramer contre le vent ou avec le vent. C'est déjà un dirigeable, contrôlé, bien que ce soit aussi un dirigeable en termes de hauteur, idéologiquement ce n'est pas le cas, mais à l'étape suivante, il s'agit d'un tel appareil, et déjà après cela, une grande plateforme stratosphérique qui reste suspendue à un point fixe et qui est complètement indifférente à la direction des vents. Elle a emporté à bord beaucoup d'énergie qui se trouve dans des panneaux solaires. Elle n'a pas pris ici, comme maintenant, une charge de 5 kg, mais 500 kg, une tonne, deux tonnes. C'est déjà un équipement complètement différent. Et c'est déjà une plateforme... Un dirigeable stratosphérique, c'est comme le prochain pas. C'est cela, une plateforme... Une plateforme stratosphérique et un dirigeable stratosphérique, c'est la même chose. Tout est clair. Donc, notre idéal de dirigeable stratosphérique, notre premier pas, c'est le lancement du premier appareil dimanche, si l'on simplifie vraiment. Mais en même temps, c'est aussi une direction commerciale distincte qui est elle-même intéressante. Oui, oui, dans les réalités actuelles, notre pays et de nombreux pays amis ont absolument et simplement besoin de tels systèmes de communication, certainement. D'autant plus que la Russie est un pays si vaste où le transport, y compris aérien, est vital et important et où il existe de nombreuses régions très difficiles d'accès, où il est également difficile d'assurer la communication et essentiel pour le développement économique et social de ces régions. Oui, mais par exemple, sur tout le territoire de la Russie, de tels petits sondes stratosphériques ne pourront pas assurer la communication. Même dans la zone arctique, ce courant circulaire se dégrade également. Et il est périodique, dépendant de l'hiver, de l'été et ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons besoin précisément de plateformes stratosphériques contrôlées afin de ne pas dépendre complètement des courants. Ces plateformes sont utiles pour notre pays. Mais par exemple, descendre dans la zone équatoriale, dans la zone équatoriale, ces courants sont présents toute l'année et là, on peut se contenter de sondes. Il est donc probable que les sondes soient destinées soit au pôle pour des études météorologiques, plus précisément saisonnières, soit à l'équateur, où l'on peut expérimenter avec des sondes. Cependant, pour notre pays, pour les latitudes nordiques et pour les pays nordiques en général, il s'agit tout de même de grandes plateformes stratosphériques sérieuses. Eh bien, une plateforme, c'est avant tout des sites de lancement pour des fusées, pour des satellites. Il y a cette idée, oui, chez beaucoup de gens. Que l'on peut facilement lancer une fusée à propergol solide avec des microsatellites depuis une plateforme stratosphérique. C'est moins cher, n'est-ce pas Eh bien, c'est intéressant, n'est-ce pas Ce n'est pas que ce soit moins cher, c'est juste comme un autre. Tout le monde va aussi lancer des fusées. Tu as une fusée et à l'intérieur, il y a un grand satellite. À côté d'un grand satellite, on place généralement des microsatellites s'ils sont sur la même trajectoire, par exemple sur la même orbite. Tout cela continuera à voler, mais simplement en apparaissant, de toute façon, la plateforme d'école, pourquoi ne pas embarquer quelques solides avec des microsatellites et les lancer Eh bien, pour revenir à notre lancement, nous pouvons maintenant préciser l'heure exacte, car le direct sera diffusé sur les réseaux sociaux, vous pourrez voir par vous-même comment tout cela va se dérouler. La question est, à quelle heure il est possible de regarder en direct en qualité HD depuis la stratosphère sans délai, taxe ni surcoût. À quelle heure Comprenons-nous ou est-ce incertain Regarde, si tout se passe bien, nous commencerons la diffusion à l'avance, à l'heure du déjeuner, dimanche. Du champ juste Oui, depuis le champ. Une heure et demie avant le lancement, donc nous en informerons. Une heure et demie, c'est sûr. Eh bien, environ 14 heures, 1 heure, trois, donc cela dépend de comment. Pour en venir au fait, disons que vendredi et samedi, nous déterminerons exactement l'heure de départ, et cela dépendra aussi de la météo. Si nous nous réveillons le matin et qu'il y a un ouragan et une tempête de neige, alors théoriquement à midi, à une heure de l'après-midi, disons plus ou moins que nous avons déjà décollé approximativement. Par conséquent, nous commencerons la diffusion quelque part entre 12 et 11 h Parce qu'à une heure, s'il décolle à 2h30. Il atteindra seulement son pic et commencera à descendre avec le système de parachute. À 3h30, il semble être descendu. À 3h30, il semble être descendu. Oui. Nous avons déterminé par les balises GPS qu'il s'est posé à environ 150 km dans un marais. Environ à peu près. même dans le marais, par exemple. Et nous irons le chercher avec une diffusion en direct. L'essentiel est de ne pas aller en ville ni au village, tout cela est calculé. Nous allons comprendre environ la zone d'atterrissage et quand il commencera à descendre, à un moment donné, une partie du groupe ira déjà l'accueillir. Oui, en général, ce sera amusant. Et regardez comment tout cela se construit. Nous en parlerons plus en détail là-bas, comment tout est organisé. Et regardez en direct la stratosphère sans délai. Des impôts et des paiements excessifs. Et comment nous les recherchons, les sélectionnons. Tout cela sera un grand techno-webinaire. J'espère que ce sera dimanche. Oui, nous laissons, disons, des voies de sortie Oui, c'est ça. Il peut y avoir un mauvais temps, donc il y a un risque que nous ne puissions pas lancer. Si ce n'est pas ce dimanche, alors cela se fera dans une semaine Peut-être que la météo sur Mars jouera certainement un rôle. Hier, nous avons testé un puissant système de transmission vidéo que Denis a assemblé. Tout fonctionnait parfaitement. Nous avons testé la compatibilité EM de faible et forte puissance. Et dans le système puissant, tout fonctionnait, mais il n'y avait pas de vidéo. Au fait, tu l'as réparé. Oui, tout est réparé. Quel était exactement le problème Peut-être. Dans le connecteur d'antenne. Dans l'antenne. Oui, 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 il était là pour punir. Émetteur. Émetteur de. C'est ce que je te dis. Alors, cette carte est vivante, petite. Oui, la carte oh. est vivante, en gros pour l'extraire un morceau est coincé il s'est cassé et il y a aussi un clip hier je n'avais rien il fallait souder soigneusement et tirer en général si le temps sur mars ne se gâte pas et que les instruments fonctionnent correctement alors oui dimanche à midi et pourquoi les lancements ont-ils lieu précisément le week-end peut-être que nous ne sommes pas le week-end nous pouvons mais ils peuvent ne pas les approuver en gros le lancement peut être approuvé ou non. Le lancement, s'il n'est pas coordonné, aura un système si puissant que celui que Denis crée qu'il sera visible tout d'abord sur tous les radars. Qu'est-ce que c'est Oui. Oui, tout le monde sera appelé, on demandera si c'est à vous, dira que ce n'est pas à nous, et peut-être qu'il pourrait y avoir des problèmes, soit elle sera abattue, un F-300 ou un truc. Oui, nous serons également recherchés, donc il est préférable de coordonner le lancement de tels systèmes puissants. Nous l'avons coordonné. Bien, c'est approuvé par les militaires, naturellement. Comment vont-ils là-bas Où as-tu servi Dans la zone de vol. La défense aérienne en général. Ils ne coordonnent que le samedi et le dimanche, car du lundi au vendredi, ils mènent le plus souvent leurs exercices, afin que nous ne les dérangions pas. Donc, seulement le week-end... Oui, c'est justement la question ici. Ont-ils été approuvés par les autorités Le lancement a été convenu pour ce dimanche. Oui, on me le demande aussi en ce moment, j'ai vu des commentaires. Eh bien, passons doucement aux questions. Ici, on demande exactement et en profondeur à propos de l'accord, à propos de dirigeable stratosphérique. Eh bien, regardons. Plusieurs personnes posent des questions sur Kirillin en rapport avec le fait qu'il était question de savoir si Kirillin voulait lancer ses appareils ou non. Peux-tu commenter cela à nouveau Quelqu'un demande comment va la santé de Kiriline et quand il va apparaître. En gros, toutes les questions à ce sujet. Kiriline est en voie de rétablissement. Déjà, ceux qui l'ont vu à la conférence ont remarqué qu'il avait beaucoup de difficultés à se déplacer. Tout cela à cause d'un poids qu'il a soulevé lors de son déménagement à l'Mai. Le recteur le faisait courir d'un étage à l'autre. Les étudiants l'aidaient. Il n'a pas donné de documentation là-bas, il a tout pris lui-même, en gros il a rapporté. Et quelque chose est arrivé à sa jambe, à ses pieds, puis au genou, puis en gros toute la jambe a fait mal. En gros là-bas, la santé n'était pas si joyeuse, mais il est parti au combat. Et nous avons lancé le projet quand même. Et donc, après le lancement du projet, il s'est occupé de sa santé, le travail s'organise et se met en place. Tout va bien. Et la dernière fois que nous étions chez lui, il se déplaçait déjà vigoureusement avec une canne. Mais il a encore besoin de temps, bien sûr, pour se rétablir. Parce qu'il n'est pas possible de courir dans les bureaux comme ça tout de suite, il est important de comprendre que le projet ne stagne pas. L'équipe de dirigeables que vous avez vue à la conférence travaille au bureau. Zubkevich, Ivchenko, Kmel. Ceux que vous avez vus travaillent tous. En fait, il y a tellement de spécialistes. Nous organisons le travail ensemble. La dernière fois que j'ai compté, il y avait déjà 26 personnes. Et cela suffit amplement, non seulement pour faire décoller le premier dirigeable, mais c'est déjà la base principale du futur bureau d'études. Parce que pour faire décoller les mêmes U30, leur effectif était un peu plus de 10 personnes. C'est-à-dire, cela fait trois fois plus à deux juste pour l'instant. Denis, on te demande si tu as déjà assemblé des systèmes de communication similaires pour des appareils stratosphériques, ou si c'est la première fois... J'ai eu affaire à la communication radio en troposphère, mais je ne l'ai pas assemblée, car elle était déjà prête. J'ai en fait un système de communication par satellite. On peut en gros communiquer avec Voyager, mais il n'y a pas de tâche à accomplir. Donc, chez moi, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a en fait des amplificateurs de puissance de kilowatts sur LVB à large bande pour différentes plages de fréquence allant de 3 GHz à 15 GHz. En réalité, par conséquent, s'il est nécessaire d'avoir une communication, même dans des conditions extrêmes, il est possible de l'organiser. C'est-à-dire que c'est déjà quelque part là-bas avec le Vodger Oui, il est déjà au-delà du système solaire. On peut même entrer en contact avec des extraterrestres, n'est-ce pas Ou du moins oui. vérifier. Mais il faudra attendre que le signal arrive. Eh bien, cela prendra trop de temps pour que les vêtements arrivent, hein Alors créons absolument et certainement la communication radio en hyperespace, en effet, puisque tout est possible. Ainsi, la question concerne précisément la hauteur maximale à laquelle voleront les dirigeables passagers. Les dirigeables passagers seront donc de deux types. Le premier est celui où les cabines ne sont pas hermétiques, à une hauteur de 2,5 km, mais c'est la hauteur autorisée pour que tout le monde, y compris les enfants, les adultes et les personnes âgées, soit à l'aise. En réalité, il n'est pas nécessaire de monter plus haut. La hauteur sera probablement autour de 500 mètres. Il n'y a pas de sens à voler plus haut. Et voici le deuxième type de dirigeables, qui auront des cabines hermétiques où il n'y a pas de plafond en tant que tel, on peut même s'élever dans l'aérosphère. La question est de savoir quelle direction prendra l'appareil. Ce sera un dirigeable rapide, par exemple, qui volera à des altitudes de 5 à 8 km, c'est dans cette plage qu'ils peuvent voler, ou ce sera un dirigeable stratosphérique, et à grande vitesse conditionnellement, c'est déjà entre 10 et 15 km à ces altitudes. Idéalement, il devrait aussi être touristique pour pouvoir monter jusqu'à 25 km. Non, c'est juste un ascenseur stratosphérique. Oui, un ascenseur. Et peut-on théoriquement voler vers la Lune en dirigeable Non. Jusqu'à la Lune Ce sera juste lent probablement Non. Ou ne peut-on pas le rendre aussi étanche Non, non. Le problème est que le dirigeable, en général, sa force de portance est créée par l'environnement dans lequel il se trouve. Et quand l'atmosphère se termine... La force de portance se termine. Eh bien, on peut ensuite se pousser avec les moteurs. Au contraire, ça fonctionne. C'est seulement si on transporte de l'hélium 3 de la Lune avec un dirigeable. Alors c'est possible. Oui. Mais si l'on fixe un dirigeable au moteur de fusée et que l'on connecte le système de dirigeable à un moment donné au moteur de fusée et que l'on continue, c'est possible. Ensuite, on peut faire atterrir à nouveau la plateforme stratosphérique et attacher le dirigeable à ce ballon. C'est justement ce que nous faisons dimanche. Nous allons essayer de faire le premier pas dans cette direction. Eh bien, ce n'est pas un pas, c'est tout de même juste... Process. Oui, en gros, il s'agit en fait de clore quelques gestaltes de développeurs qui se sont toujours vraiment dirigés dans cette direction. Et cela accompagne tout de même, en quelque sorte, notre grand projet. Oui, le dirigeable est un système complexe, beaucoup de choses à essayer. Oui, et ce système de soudage des coques qui est actuellement assemblé à Baumann, pour nous participants au projet, de manière conditionnelle. Oui, ce même système sera utilisé. Ce dirigeable, le premier démonstrateur, sera souple, un drone. Mais la tâche consiste à construire des dirigeables, et à l'intérieur, il y aura des sacs de gaz, et ces sacs de gaz seront probablement fabriqués à partir des mêmes films que ceux utilisés pour le grand parapluie stratosphérique en cours de fabrication et avoir sa propre machine à souder et une technologie éprouvée. Tu vois, on dirait qu'on construit un appareil stratosphérique, mais en même temps, on fait déjà quelque chose... Eh bien oui, oui, bien sûr, dis-moi, ce film, c'est un film russe Voici celle que nous venons d'acheter, oui, elle est russe. Et en Russie, il y a une entreprise capable de la produire, mais elle ne la produira pas tant que quelqu'un ne commandera pas 1000 km de ce film. C'est-à-dire que les technologies existent mais ne sont pas très demandées à ce jour. Et 1000 km, c'est combien en fait cela suffira pour les statastats si on compte Bien... Compton, juste après le webinaire dans le canal Telegram, juste... Ça suffira. Au fait, en ce qui concerne les prochaines étapes, les plus proches, c'est le premier lancement. Quels autres lancements peut-être sont prévus Quand auront-ils lieu Que planifie-t-on Il semble qu'il y ait quelque chose de prévu en novembre. D'ici la fin novembre, il est nécessaire de certainement lancer un grand appareil transparent à hauteur variable, durable. Tout sera clair et bien rodé. Il est probable que deux seront réalisés. Si le premier s'envole avec succès, nous ne lâcherons pas le deuxième. Si le premier s'envole avec quelque chose là, en cas de force majeure, nous laisserons passer le deuxième lancement. Et en fonction de ce lancement ou des deux lancements, il sera clair ce qui doit être amélioré dans l'appareil. Pendant l'hiver, en décembre, janvier et février, ces systèmes seront perfectionnés et un regroupement sera effectué. Et ce regroupement sera lancé au printemps. Donc, au printemps, ce n'est pas loin jusqu'au dirigeable. Pas loin, n'est-ce pas, en termes de délai Alors, continuons à regarder les questions. Je regarde les questions sur VContact. Vous pouvez poser vos questions là où vous regardez. Je vais regarder sur VContact sur YouTube de la génération ETA. Je vais aussi jeter un œil sur YouTube et sur la chaîne YouTube du groupe Solaire. N'oubliez pas de liker et de partager. En gros, vous savez tous pourquoi c'est en réalité nécessaire. Voilà. L'homme écrit loin des dirigeables dans la stratosphère. À quel point cette tâche est-elle complexe Combien d'années cela pourrait-il prendre Quelques... Personne sur la planète n'a vraiment jamais construit de dirigeable stratosphérique. Les premiers à avoir construit des dirigeables stratosphériques sont pratiquement la première personne à avoir volé vers la Lune. C'est une tâche très complexe. Heureusement, cela se résout de manière significative en grande partie au XXIe siècle. Et selon les estimations, dans environ 5 à 6 ans, on peut probablement s'attendre à ce qu'une telle plateforme de travail soit déjà dans les airs, oui, certainement. Mais beaucoup essaient en ce moment, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'il y a périodiquement des nouvelles comme ça. Beaucoup, mais certains essaient. Récemment, les Américains ont lancé une capsule dans la stratosphère avec des personnes à bord. Mais cette capsule est l'analogue de notre sonde stratosphérique ou de toute autre sonde de ce type. C'est juste un ballon. Cette capsule est simplement énorme. Il est monté puis redescendu. Ce n'est pas un dirigeable. On rêve de construire un dirigeable, mais pour l'instant, personne n'essaye de le faire. Bien que dans notre pays, le ministère de la Défense ait clairement formulé la tâche, il leur faut des plateformes stratosphériques de haute altitude. Ce n'est pas une question de sonde, c'est vraiment à propos des dirigeables. Difficile, long, coûteux, mais rentable et tellement. C'est-à-dire que cela devient significatif. Eh bien, je ne suis pas la première personne sur la Lune, mais je suis certainement, certainement le premier satellite dans l'espace. Eh bien, nous allons voir comment cela va se passer. Plus précisément, disons plutôt à quelle vitesse cela va se passer. C'est super que nous y réfléchissions et que nous avancions dans cette direction. Mais les gens posent souvent des questions à ce sujet. Cela les intéresse, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, comme si tout le monde y pensait, le voulait, mais que cela ne se réalise pas encore. Voici une question. En fait, si le stratosphérique se déplace vraiment avec le vent, ne serait-il pas plus simple de le construire sous forme de cube pour minimiser les déchets En réalité, eh bien, il est impossible de le cuire en forme de cube, la pression le déformera, et cela ressemblera à une sorte de. à une citrouille. Eh bien, une petite citrouille avec des sommets, oui. Une citrouille aiguë. Faire des cloisons spéciales à l'intérieur de l'appareil pour former une forme de cube alourdirait l'appareil. Cela n'a probablement pas beaucoup de sens. Alors, on demande à propos de deux systèmes. Concernant la réduction des coûts, on peut cuire de manière ordinaire, c'est-à-dire qu'un film est produit avec un tube cylindrique simplement scellé en haut et en bas. Saucisse. Oui, seulement deux coutures, et voilà, c'est. Mais ce sont des sondes légères, spécialement conçues pour des missions d'exploration spatiale, qui peuvent être contrôlées en hauteur avec une grande précision. Elles ont même été conçues et testées ici sur Terre, dans des conditions simulant celles de Mars ou de Vénus, principalement pour étudier l'atmosphère et la surface de ces planètes fascinantes. C'est Dmitri Sergeyevich Kmel qui peut parler plus précisément et en détail de tels systèmes. Et qu'en est-il de ces deux systèmes de communication En quoi diffèrent-ils Pourquoi en avoir deux Pour la sécurité et pour d'autres raisons. La duplication. Deuxièmement, ils ont des puissances différentes. L'un fait 8 voeux, l'autre 300 voeux. Si. Euh, les fréquences sont pratiquement identiques, c'est-à-dire que 2,4 est la fréquence micro-ondes autorisée. On peut y utiliser n'importe quelle puissance. En gros, ben, toutes les micro-ondes fonctionnent de manière similaire et elles émettent beaucoup d'interférences dans l'air, ce qui peut perturber d'autres appareils électroniques. Il y a un système avec deux canaux Wi-Fi, c'est-à-dire avec une bande passante allant jusqu'à 50 Mbps, ce qui permet de transmettre efficacement des données, des vidéos ou n'importe quel type d'information numérique. Le deuxième système est spécifiquement conçu pour la vidéo Full HD et la télémétrie, offrant une qualité d'image supérieure et une transmission de données précises. La fréquence utilisée par ces systèmes est la même, assurant une compatibilité optimale. La largeur du canal est de 50 MHz plus large et puissante. La puissance de 300 de valeurs est excessive. La largeur du canal est de 50 MHz acceptable pour mon deuxième, là c'est une centaine, il est plus large et plus puissant, avec une puissance allant jusqu'à 300 watts, ce qui est excessif, oui, comptez sur des doublons, éventuellement, si l'un ne fonctionne pas, nous en aurons quelques solutions, un deuxième. Oui, le premier est assemblé à partir de ce qui est disponible sur le marché, le second est assemblé et amélioré pour être ultra puissant, et justement pour tester la puissance à distance, ce que cela donne... Ici, le système de contrôle de la puissance et là, l'appareil s'éloignera. Nous savons quelle puissance fonctionne actuellement, nous observons que les signaux se détériorent, nous pouvons augmenter la puissance et nous allons dessiner cette dépendance complète, la distance par rapport à la puissance, et nous allons même mieux comprendre cela. Une personne écrit que le lancement d'un dirigeable dans la stratosphère est certainement un événement d'importance mondiale. Bien qu'il n'y ait pas encore de dirigeable dans la stratosphère, cela concerne ce qui sera dans le futur. Oui, c'est ce à quoi nous aspirons. Et il dit qu'en raison de cela, tout le monde doit être intéressé, y compris le président. Pour cela, il ne reste plus qu'à simplement dissiper les nuages au-dessus du site de lancement. Il faut, comme on dit, certainement demander de l'aide, peut-être, si besoin... Le système de dispersion des nuages avec des dirigeables peut à nouveau être assemblé par Denis. D'ailleurs, ce serait certainement très intéressant. On peut le faire comme expérience. Pendant ce temps, Denis ne faisait que juste rassembler un système qui, au contraire, collectait des nuages. Je regarde les questions sur YouTube sur la chaîne dirigeable de nouvelle génération. Amis, d'ailleurs, nous avons beaucoup de spectateurs. Je vois ici sur YouTube qu'il n'y a que 27 likes. Ce n'est pas normal. Je me souviens qu'à l'époque du concours, il y en avait 200. Donc je sais que vous pouvez mettre des likes. S'il vous plaît, ne soyez pas paresseux, faites des partages, mettez des likes. Si nous avons au moins 100 likes sur notre diffusion YouTube, ce sera excellent, car cela contribue à la promotion du projet. Et voici la première question sur YouTube. Frères dans le projet Oui, on a le même nom de famille, Denisov et Filipov. Nous avons dit à Fyodor qu'il pouvait faire des vœux, mais nous n'avons pas encore déterminé si nous sommes frères ou non. Pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas d'informations préliminaires. Bien que les deux, comme on dit, aient des parents de tout là. Qui sait C'est très suspect. C'est très suspect Oui, nous y avons déjà tous réfléchi. Et ils ont à peu près la même taille. Et des cheveux d'une couleur à peu près similaire. Donc oui, tout le monde en rigole déjà, mais en fait, nous ne connaissions pas Denis. Nous nous sommes rencontrés, peut-être, il y a un an. Alors, voyons. Peut-être que, qui sait il y aura des parents communs. Ce serait intéressant. On demande de mener les webinaires de manière plus énergique. Eh bien mes amis... Le prochain lancement qui est prévu pour bientôt sera très dynamique, très puissant mmh. et impressionnant et spectaculaire. Je propose de mettre un peu de musique entraînante en fond pendant le webinaire. En fait, cela me faciliterait aussi la tâche, car rester en silence et parler seul là-bas... C'est vraiment difficile. On peut essayer, et on peut essayer, dit... oui. En arrière-plan, cela donnerait vraiment, vraiment vie, j'y pense. En fait, vraiment, vraiment, en fait. Vraiment. Alors, on écrit que c'est une idée géniale et ainsi de suite. Donc, quel est le coût de l'appareil par rapport à sa capacité de charge De quel appareil s'agit-il C'est probablement à propos de la zone stratosphérique, probablement ou peut-être sur les dirigeables, ou même à titre d'exemple. Il faut préciser qu'il existait en fait une règle tacite, qui existe encore aujourd'hui chez tous les dirigeables, selon laquelle, très remarquablement, 1000 mètres cubes coûtent environ 1 million de dollars, c'est-à-dire qu'un dirigeable de 1000 mètres cubes sera vendu au client pour 1 million de dollars. 1000 mètres cubes peuvent de soulever 1000 kg, mais cela reste une estimation approximative. La coque pèsera environ 150 kg le moteur, la gondole, et ainsi de suite, pèseront encore environ 300 kg. Mais 1 kg là-bas, c'est 500 conditionnellement, c'est 1000 m3, mais en réalité, c'est moins, environ 100 kg. Cela pourra soulever 1000 m3, pour 1 million de dollars, 2000 m3 seront vendus, pour 2 millions de dollars, 3000 m3, et pour 3 millions de dollars. Voici un objet de 10 tonnes, cela représente 15 à 20 milliers de mètres cubes, soit 15 à 20 millions de dollars. Il existe une règle implicite et généralement acceptée parmi tous les dirigeables qui circulent, et il est bien sûr souhaitable de la briser, car avec une telle formation des prix, on ne voit pas les dirigeables se répandre largement dans le monde des transports aériens. Juste du plafond. Bon, laissons-le comme ça. En réalité, ce n'est pas le cas, parce que, après avoir maîtrisé les coques, maîtrisé le système de contrôle, évidemment les moteurs, etc., peuvent aussi être inclus, mais ce n'est pas obligatoire. En fin de compte, l'appareil peut certainement être fabriqué à un coût beaucoup plus bas. Pourquoi discuter des moteurs avec quelqu'un d'autre si nous avons Sauvelmache Tout est dit correctement et la première destination où nous sommes allés avec les dirigeables, c'est à Sauvelmache. Dmitri Alexandrovitch Douvenov. Ils ont discuté et se sont mis d'accord sur le fait que lorsque le cahier des charges claires pour les moteurs électriques sera formé, il sera envoyé à Sauvelmache et Sauvelmache à son tour répondra dans quel délai il pourra développer le moteur conformément à ce cahier des charges. Et maintenant, nous formons actuellement la configuration du premier dirigeable. Ce sera soit une seule installation de puissance avec des hélices rotatives, soit une transmission rotative. L'installation de puissance fonctionnant au carburant sera obligatoire, soit il s'agira d'une seule installation de puissance avec une hélice fixe. Dans ce cas, deux moteurs électriques seront nécessaires pour créer un vecteur de poussée orientable. De plus, à l'arrière, il nous faut encore un peu de temps pour comprendre combien de moteurs électriques seront sur le dirigeable, puis nous établirons le cahier des charges et nous nous rendrons chez Sauvelmash. Oui, en fait, cela a été dit, en réalité, en effet, lors du conseil scientifique et technique... Nous avons présenté les dirigeables à Dimitri Sanich ils ont certainement et effectivement visité l'armée en 2024 et étaient vraiment à Zelenograd et ils ont déclaré que si les caractéristiques annoncées étaient vraiment exactes les spécifications de poids et de puissance correspondent à la réalité, ce qui ne peut que coïncider. Ce sont des moteurs étonnants. Il est impératif de les utiliser. Oui, Sovelmach continue actuellement de travailler activement sur eux. Justement, aujourd'hui, j'ai parlé avec Alexandre Soudaev au sujet de la conférence qui aura lieu le 16 novembre. Est-il possible de montrer ces moteurs lors de la conférence C'est encore incertain, car Sovelmach les teste activement en ce moment. Beaucoup de choses changent, donc je pense que lorsque cela sera certainement nécessaire pour le dirigeable, ils seront déjà très probablement, possiblement déjà bien développés. Ne prévoyez-vous pas d'utiliser des éléments solaires flexibles sur la surface et des électropropulseurs pour les propulseurs Eh bien, ils ont parlé, n'est-ce pas Nous prévoyons de recouvrir la coque de panneaux solaires flexibles. Nous le ferons certainement. Certainement. Mais si vous avez écouté un peu, Denis a dit que dans le département des technologies avancées, la technologie de pulvérisation de panneaux solaires sera testée directement sur la coque du dirigeable. Ainsi pour que ce soit comme un sandwich mais pas une seule fois. Le matériau composite est à la fois résistant et capable de retenir le gaz et il produit également de l'énergie. D'ailleurs, nous parlons toujours de l'enveloppe souple. Mais les dirigeables souples, ne sont que la première étape vers les dirigeables rigides. Les dirigeables rigides peuvent être fabriqués à partir de panneaux composites, et ces panneaux ne seront pas flexibles en tant que tels, ils seront rigides. Donc, peut-on pulvériser des panneaux solaires sur les cellules Oui, c'est beaucoup plus simple que sur un chiffon. Alors, eh bien, donc la question suivante. à quoi bon un compas? C'est apparemment une question à propos de Il semble qu'il n'y ait pas de système de gestion d'entreprise dans le compas. En plus de CAD, CAM et CAE, il faut un système supérieur PLM. Ainsi Arthur pose deux questions. La première, peut-on rendre un dirigeable transparent? Oui. La question pourquoi? Pour qu'il ne voit pas furtivité. Ah, donc cela signifie qu'en fait, le ballon sera transparent. On peut le rendre transparent jusqu'à une certaine dimension Oui. Au-delà d'une certaine dimension, c'est peu probable. Oui, du point de vue d'un espionnage, disons... C'est dangereux. Si un avion vole, il ne le verra tout simplement pas. Mais c'est comme une méduse, tu vois. Oui, comme une méduse aérienne, d'ailleurs. Naturelle. Eh bien, c'est clair en général comment cela peut être appliqué. Eh bien, si on envoie une personne là-bas, quand on y pense, c'est comme un oiseau. Alors, on peut peut-être ne pas voler quelque part. Eh bien, si tu fais un système de propulsion électrostatique, il doit même y avoir un moteur là-dedans. Eh bien, oui. Si on doit absolument et certainement traverser un point très précis. Deuxième question. Comment la température ambiante influence-t-elle les caractéristiques du dirigeable, par exemple, de moins 50 à plus 50 eh bien, la température, bien sûr, affecte tout le système gazeux. Le gaz devient plus dense ou s'étend. À cause de cela, lorsque l'on conçoit un dirigeable, il est conçu dès le départ, pour des conditions climatiques spécifiques, il doit certainement avoir une réserve. Il y a un système air-gaz qui comprime soit l'hélium, pour que. Mais de quel dirigeable s'agit-il D'un dirigeable rigide ou d'un dirigeable souple Si c'est un dirigeable souple, il faut maintenir la pression pour que sa forme soit correcte. La forme doit être aérodynamique. Oui, il y a un système de gaz interne, des sacs. C'est-à-dire que si l'extérieur est très froid, l'hélium commencera à se contracter et les sacs doivent être conçus pour un volume tel que l'hélium là se soit rétréci, en gros, à moins 50 jusqu'à un certain volume, et il faut pousser avec de l'air, avec deux jusqu'à une certaine taille. Ensuite, ce même dirigeable vole dans la chaleur, l'hélium commence à se dilater, et pour ne pas le laisser s'échapper, ces systèmes aériens doivent en quelque sorte faire de la place à l'hélium, pour que la coque extérieure ne se déchire pas aux coutures. Et elle doit être rigide, mais c'est encore souple. Avec une coque rigide, c'est à peu près la même chose, mais il n'y a pas de problème de déchirure de la coque. Avec les systèmes aériens, tout est différent. En général, les États existent dans des conditions climatiques variées et toutes les solutions d'ingénierie sont immédiatement intégrées. De sorte que la température n'aura aucun impact sur cela. Plus la température est élevée, plus il aura de force de portance. C'est-à-dire qu'il n'y a que des avantages. Quand il y aura une chaleur anormale, il y aura environ un kilo en plus. Eh bien, dans un endroit comme Dubaï, certainement. Voilà. Concernant l'appareil stratosphérique, plusieurs questions se posent. Première question, de quoi sera-t-il rempli D'hélium ou d'hydrogène Hélium element Et tout de suite une question supplémentaire. Avec de l'hydrogène, pourra-t-il s'élever plus haut Pourra. L'hélium est simplement plus sûr, n'est-ce pas Oui. Et nous avons déjà un plafond de 25 km. C'est déjà assez haut. Et donc, la question suivante est, quelle hauteur doit-il atteindre Environ 25 km. C'est-à-dire qu'il s'élèvera à 25 km et tout cela pourra être regardé en direct, je rappelle, dimanche, si la météo ne pose pas de problème. Oui, s'il fait beau pour être visible. Oui, c'est intéressant techniquement parce que quand j'ai entendu cela, j'ai été très surpris. Oui, et il sera possible d'observer son ascension Oui, et c'est beau. Et ce sera 1,5 heures juste pour l'ascension. Encore 100 km sur le côté. Il y a plus d'ascension, seulement une ascension d'un mètre et demi, l'ascension que Dieu nous donnera à 100 km. Et comment ça va exactement comme prévu? Tomber, ne pas tomber mais descendre avec un système de parachute. Et la diffusion elle-même est-elle si longue Cela commencera-t-il une demi-heure avant Et pourra-t-on voir comment tout cela est assemblé Nous allons diffuser presque toute la journée. Depuis le moment où nous déploierons ce système jusqu'à ce que nous le trouvions. J'ai compris, on pourra le mettre comme à la télévision, l'allumer et regarder des films toute la journée, environ 5 heures. On peut éteindre. Ensuite, regarder, allumer. Eh bien c'est super, oui, je pense que si nos spectateurs aident, on pourra bien diffuser une telle retransmission. Alors, à quelle somme passons-nous à la première étape Un million de dollars, 2 millions et demi de dollars les gens planifient leurs investissements. Denis, à l'approche de la conférence, près du 16 novembre, nous prévoyons de clore cette question également. Nous avons encore quelques questions que nous avons parlé, que certains chiffres peuvent encore changer, que les délais peuvent changer, que les tâches peuvent changer. Nous sommes actuellement dans la phase pré-lancement. Pour la conférence, notre objectif est de tout définir. Nous l'annoncerons officiellement. Pour l'instant. Nous n'avons ici aucun changement. Dans le sens où nous parlions d'un million de dollars, tant que nous maintenons ici en fait ce chiffre, il est tout à fait probable que nous gardions finalement la valeur de 2,5 comme nous l'avions initialement prévu. Y aura-t-il un enregistrement de secours du lever sur GoPro Oui, bien sûr. Et là, la GoPro sera-t-elle attachée Il y aura beaucoup de caméras. Beaucoup de caméras, elles vont s'enregistrer en plus de transmettre en direct Oui. Eh bien, l'enregistrement, je suppose, restera comme pour la diffusion en direct. Ah, bien sûr, oui. Les CP de matériaux resteront sur les clés USB. C'est probablement une question au cas où la connexion se couperait, afin que tout soit certainement bien enregistré pour plus tard. De quels matériaux seront faites les coques des grands dirigeables de plus de 200 tonnes En titane ou d'autres matériaux, tels que. Coques. Des coques écrites Ou des cadres les cadres ne seront probablement pas faits en titane. Il y aura quelque part un squelette composite. Sur quelle base Probablement en fibre de carbone. Oui, à l'extérieur, il y aura des panneaux composites. Tout cela sera recouvert. Encore une fois, ce seront probablement des panneaux en fibre de carbone. Une partie des panneaux, quelques-uns qui sont équipés de panneaux solaires pulvérisés. Je ne sais pas si les composites seront en métal et si ce sera du titane. Mais je doute que ce soit cher. Eh bien, il y a aussi le poids. Parce que le carbone, s'il s'agit d'un cadre, sera plus léger. Eh bien, de quel carbone métallique parles-tu Eh bien, oui, alors, certainement. Tout cela sera calculé, bien sûr, un peu plus tard. On le saura, tout dépendra. On peut faire un dirigeable entièrement en carbone. Oui. Ce sera cher. La question est celle de la tâche. Si c'est un dirigeable cher, alors c'est comme ça. Si c'est peu coûteux, jetable et destiné à une tâche spéciale, alors c'est une toute autre tâche. En fait, le carbone, oui, c'est un signe de quelques voitures chères. En général, les voitures de sport, les voitures coûteuses, c'est ça le carbone. Ce qui est encore une fois étrange, oui, parce que tout processus technologique peut être ajusté pour la production de masse, alors le coût du processus tend à être minimal, et par conséquent, les produits en carbone peuvent devenir inaccessibles. Parce que, en effet, le carbone est l'une des formes les plus couramment répandues des éléments chimiques sur la planète. Qu'est-ce qu'il a de si précieux Une question. Croyez-vous, sans savoir à qui, à la question de savoir si les États-Unis ont été sur la Lune Eh bien. Vous pouvez rester silencieux, vous pouvez répondre. Ou avez-vous votre propre théorie nous, en tant qu'employés de Roscosmos, sommes interdits de discuter de ce sujet. D'ailleurs, oui. Vous voyez, nous avons dans le cadre deux employés de Roscosmos. Denise en a également parlé. Donc, tous les gens impliqués dans le projet ne sont pas des personnes au hasard. On peut dire cela minimum. Un dirigeable stratosphérique est en effet une tâche complexe. Y aura-t-il suffisamment de ressources et de spécialistes pour réaliser un tel projet Exactement, vraiment juste assez... Où allez-vous effectuer les essais des systèmes et des matériaux pour ce projet Pour quel spécifique Eh bien apparemment, pour un dirigeable stratosphérique... Oui, chaque chose son temps. Nous allons tester des systèmes avec nos propres capacités. Nous allons tester certains systèmes avec des sous-traitants qui réaliseront une partie des travaux. Nous allons assembler tout cela et le tester dans notre propre hangar, bien sûr. Parce que pour la construction d'un dirigeable stratosphérique, un hangar doit déjà être construit pour lui. Ainsi, une question se pose. Comment comptez-vous protéger les droits des investisseurs Lorsque l'État, ou dans le cas où l'État décide qu'une telle entreprise ne peut pas être privée, fera volontairement ou de force de l'entreprise une entreprise d'État Volontairement ou par la force Eh bien, tout d'abord, il faut collaborer avec l'État dès le début et d'une certaine manière ne pas se séparer de lui. En gros, être loyal envers l'État pour que l'État soit loyal envers vous. Mais si jamais il essaie de vous prendre quelque chose... Écoute, en fait, il me semble que c'est le contraire. J'ai récemment vu une nouvelle selon laquelle l'État semble continuer sur cette voie de réduction du rôle de l'État dans l'économie... En général, de manière générale, notre pays, même si ce n'est pas si longtemps, se dirige lentement mais sûrement vers une économie capitaliste. L'économie capitaliste implique que toutes ces choses, essentielles ou également importantes, sont à la gestion efficace et compétitive de ces ressources par les entreprises privées, car elles sont plus compétitives. C'est-à-dire que la concurrence elle-même, le capitalisme, il va sans dire, sont plus efficaces, et nos États en bénéficient. Avec leurs décisions, leurs réflexions, jusqu'à cette compréhension que si trois entreprises privées y sont en concurrence, elles sont beaucoup plus efficaces qu'un monopole d'État. Et nous, comme Pachal a justement dit, l'État a en effet depuis longtemps changé de cap en faveur des entreprises privées. Ils ont même permis à une entreprise spatiale privée, enfin, Aliloya. Bien que nous en ayons eu plusieurs, mais maintenant, cette SR Space, Doleg Mansurov, ils ont dit d'accord. Même dans l'espace, ils ont été lancés. Donc, je pense qu'avec les dirigeables, surtout si nous n'avons pas des vues trop libérales, tout ira en gros bien. Eh bien oui, mais par précaution bien sûr, nous allons imaginer toutes sortes de systèmes de protection des investisseurs, même la même entreprise Solar Group, elle n'est en réalité pas enregistrée en Russie. Elle est enregistrée dans un autre pays. Oui, notre projet est international, et tout le système est construit de manière internationale. Donc si quelque chose se passe en Russie, ne vous inquiétez pas. Eh bien, comme tant de fois déjà, c'est une question fréquente, on a encore beaucoup demandé sur Sauvelmash, et que se passerait-il si c'était justement des investissements collectifs Il y a une force dans le fait que nous sommes si nombreux et contre un si grand nombre de personnes, il serait en quelque sorte désavantageux pour l'État d'agir. Oui, n'oubliez pas que, ensemble nous sommes forts. Si quelqu'un essaie de nous prendre quelque chose, imaginez combien de pays, 192, sont enregistrés dans notre bureau. Imaginez que des manifestations commencent dans 190 pays au sujet de la nécessité de cela. Notre système de sécurité est construit sur la propre idéologie. Il y a une différence entre prendre une entreprise à une personne, disons un oligarque, et prendre une entreprise à 70 000 personnes. C'est une idée douteuse. Des personnes organisées. Parce que les gens ont pu s'organiser, financer et construire une entreprise. S'ils le leur enlèvent, cela ne plaira à personne. Personne ne restera en retrait et ne dira Eh bien d'accord. À propos des entreprises d'État, il semble qu'il y ait des discussions ou des décisions prises concernant certaines entreprises d'État. Auparavant, l'État devait avoir un paquet de contrôles obligatoires, mais maintenant, ils veulent conserver un paquet de blocage, comme c'est le cas pour Sberbank et d'autres grandes entreprises publiques. L'État veut se débarrasser de l'influence des grandes entreprises afin qu'elle passe entre des mains privées nous nous dirigeons justement vers le capitalisme c'est pourquoi en général je ne peux pas dire que l'état en ait vraiment besoin alors quelle sera exactement l'installation de puissance pour le dirigeable stratosphérique quelle est la capacité de levage minimale pour de tels appareils quel type de centrale sera utilisé pour un dirigeable astrosphérique, peut-être, n'est-ce pas Bonne question. À terme, bien sûr, ce sont des piles à hydrogène fonctionnant au gaz naturel, plus des panneaux solaires, c'est une installation énergétique. Là-bas, l'atmosphère est raréfiée. Tout à fait. Il sera plus difficile que le carburant soit consommé. Je ne sais pas peut-être quelque chose de plasma pour créer une force propulsive. Oui, mais l'atmosphère est suffisamment raréfiée pour y installer un moteur à plasma. Un moteur à propulsion plasma ou ionique peut et doit être utilisé dans la stratosphère. D'où viendra l'énergie Soleil. Soleil, piles à hydrogène ou microturbines, installation génératrice. À bord. Et des réservoirs d'hydrogène. Mais je ne me souviens pas à quelle altitude l'hydrogène commence à apparaître dans l'atmosphère. Ah, on peut le prendre tout de suite. De là. Regarde. Artium dit qu'il n'y a pas d'hydrogène. Il y a un certain hélium à une certaine hauteur. Nous inviterons aussi Artem à l'une des diffusions afin que tout le monde en sache plus sur l'IS. Je pense que les gens seront intéressés de faire connaissance. Oui, nous faisons partir tout le monde. C'est simple, en réalité, les ingénieurs ont une petite peur des caméras, donc il faut compenser pour eux, mais ils s'habituent tous à ce que les caméras soient dans le bureau. Nous sommes ici assis, ils se déplacent, nous regardent, il ne se passe rien de vraiment effrayant, et peu à peu, tout le monde s'y habituera. Nous allons installer cela dans le laboratoire, car il y aura des expériences, ce sera intéressant à montrer. Quelle est la capacité de levage maximale de tels appareils stratosphériques charge utile, c'est-à-dire exactement la charge utile, n'est-ce pas La capacité de levage maximale est écrite Il s'agit probablement de la charge utile. 2 tonnes, c'est probablement déjà beaucoup pour soulever dans la stratosphère. Là-bas, l'air est raréfié, ici, l'air est dense. Un appareil de taille conditionnelle similaire peut soulever environ 40 tonnes près du sol, mais un appareil de la même taille, dans la stratosphère, ne peut supporter que 2 tonnes en raison de la différence de densité de l'atmosphère. Il pourrait en supporter plus, mais sa taille deviendrait alors incroyablement énorme. Et il est globalement difficile de créer un appareil qui puisse décoller sous une telle pression, et fonctionner à celle qui est dans la stratosphère. C'est donc là la principale difficulté. Pour qu'elle ne s'étende pas et ne se sépare pas Oui, il faudra le ravitailler, le transporter, et il y a beaucoup d'autres choses à faire pendant qu'il décolle, et ensuite, quand il atterrit. Mais dans l'ensemble, c'est une tâche réalisable. On parle du capteur d'altitude mètre. Oui, il y aura un capteur d'altitude. Bien sûr. Mais pour que les gens voient combien de temps il reste à attendre avant le décollage. Environ. D'accord, excellent. Ensuite, en fait, vraiment tout sur ce système. Je t'ai demandé pourquoi ce n'est pas le compas, mais tu dis qu'il n'y a pas ça au compas. On écrit. Et ici, plusieurs personnes ont écrit qu'il y a. Il y a. Il y a un pilote. Il y a un système chez Compass. On te le signale au cas où. Je ne sais pas. J'aime Tiflet. Je travaille avec lui depuis combien d'années Dix, probablement. Probablement, c'est à peu près la même chose. Chacun a ses préférences. Il y a en fait beaucoup de systèmes de contrôle. Nous pouvons inviter ici même les gars du compas discuter avec eux et choisir parmi deux. Mais le choix en général dans notre pays est limité, donc oui. Si ce n'est pas un, c'est l'autre. Demande-t-on si vous travaillez toujours à Roscosmos ou non Pour être plus précis, en ce moment. Déjà plus. Personne ne travaille, mais les anciens employés de Roscosmos sont maintenant seulement à Novi, n'est-ce pas Oui. Nous avons encore parmi ce collectif de Nova des employés actifs qui travaillent dans l'espace, et ces individus dévoués continuent à contribuer de manière significative à nos projets et initiatives variées. Nous ne les nommerons pas. Ils prévoient certainement de partir quelque part de là. En général, tout le monde sait déjà qu'ils vont s'occuper de cela, et ils plaisantent même un peu à ce sujet. Pourquoi tu viens encore ici au travail Va plutôt t'occuper de ta construction. En réalité, il y a plusieurs personnes comme ça, et personne là-bas n'est aussi sarcastique. C'est juste l'humeur que j'ai inventée maintenant. En fait, il s'agit simplement d'une dissertation qu'il faut terminer, et dans la dissertation, cette entreprise où il travaille, est mentionnée partout. Donc c'est juste pour la dissertation, et eh bien pour les autres, c'est juste de l'inertie. Il faut finir les affaires, ne pas fuir d'ici, et c'est tout, pour que tout soit fait de manière humaine. Ainsi je regarde les questions sur la chaîne Solar Group et voici comment Rostata est utilisé au-dessus de la ville pour chercher des places de parking. Voilà. Pourquoi n'y a-t-il pas de description du projet Il est plus simple de placer des caméras sur des poteaux. Plus précisément, de les utiliser pour rechercher des travailleurs stationnement. C'est accessible, il y a maintenant une application via satellite. Yandex comment. Non, eh bien Yandex dit simplement qu'il y a un parking. Il montre où c'est occupé et où ce ne l'est pas. Je ne sais pas. On peut voir ça sur Yandex Navigator, paiement possible. C'est vraiment bien fait chez eux. Peut-être qu'ils ont même des Rostats qui volent. Bien qu'ils aient aussi des hélicoptères qui volent sous Moscou. Yandex peut se permettre beaucoup de choses, donc je ne comprends pas de quoi il s'agit concernant l'écriture du projet. Écrivez où il n'y a pas. J'ai regardé, il y a une écriture, tout semble être là. Lorsque le bouton pour augmenter le paquet sera disponible, c'est-à-dire que vous pourrez augmenter le paquet, nous demanderons à notre centre de contact de contacter tous les investisseurs actuels pour leur faire savoir que cette fonction est apparue. Car il sera impossible d'augmenter à l'avenir. Les paquets pris en pré-lancement, c'est comme ça. Mais maintenant, il y a la possibilité de les prendre. Après, il ne sera pas possible d'augmenter avant le pré-lancement. Donc, si on veut augmenter, c'est maintenant. Donc, l'essentiel est de vérifier que le numéro est à jour pour que l'on puisse vous contacter. Pour modifier l'altitude d'urgence d'un appareil stratosphérique, on peut utiliser une capsule avec de l'azote liquide ou de l'hélium et une vanne électromagnétique. Non, c'est une situation d'urgence, c'est-à-dire une fois, mais la petite bouteille, en gros, oui, il y a un système pour changer d'altitude avec un changement de phase des liquides, de divers gaz, etc. Tout est correct, tout fonctionne. Oui, et là, en fait, le système peut être tellement ajusté que si tout est calibré très précisément, on peut gérer l'altitude uniquement avec le chauffage solaire. Le soleil s'est levé, a chauffé, l'appareil a changé d'altitude, le soleil s'est couché, ou l'appareil s'est caché, a gelé, un changement de phase s'est produit, l'altitude a changé. Si l'on ajuste très précisément tout cela, en s'accordant avec les courants, il est possible de ne dépenser aucune énergie, et l'appareil sera durable en conséquence. D'ailleurs, voici Alex Toran, c'est ainsi que la personne est signée, qui donne toutes sortes de recommandations. Je ne sais pas, peut-être qu'il vaudra la peine de discuter plus tard, c'est le genre de choses qu'il écrit. Prenez le tissu en carbone de Balakovo. Il a toujours été moins cher. C'est comme si la personne comprenait vraiment quelque chose. Eh bien, vous comprenez probablement de quoi je parle parce que je ne sais pas. Carbone, petit carbone. Il écrit aussi que l'on peut chauffer le gaz en transmettant des radiations infrarouges d'une source puissante par fibre optique dans le spectre infrarouge microfrais de manière zonale. D'ailleurs, c'est possible. Oui Là, on obtient que si, je ne sais pas, si on chauffe la coque à une température comprise entre 100 et 200 degrés Celsius, il pourrait simplement y avoir un câble optique qui transmet des données. Et la source en bas sur Terre serait un laser puissant capable de générer un faisceau lumineux intense et concentré. Production de carbone de Balakovo. Quelques dizaines de kilowatts, on peut faire ça, mais il faudra. Enfin, disons que tu auras de l'optique. Mais il suffit de calculer laquelle est-ce la plus efficace. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des guerres des étoiles. Vous voyez, Alex a écrit plusieurs recommandations. Et comme il m'est même difficile de lire de telles questions, je comprends que la personne s'y connaît très bien. J'ai lu là-bas. Oui, donc Alex, si vous avez de bonnes recommandations, peut-être que vous vous y connaissez. Vous pouvez contacter Denis. Ou écrire au support. Dans le chat, nous pourrons nous connecter. Peut-être que nous pourrons discuter. Alex est battu avec quelqu'un dans les commentaires et quelqu'un a été supprimé. Oui, peut-être qu'ensemble, nous pourrions faire quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à me contacter. En général, je regarde de temps en temps, les gens écrivent ce qu'ils veulent aborder dans certaines questions, demandent comment collaborer. N'oubliez pas qu'il est possible de rejoindre l'équipe, au minimum, vous pouvez discuter. Oui, nous avons actuellement une petite turbulence qui se termine en ce qui concerne l'organisation. Il y a déjà beaucoup de demandes de la part des autres, et je peux vous aider avec cela, que ce soit avec ceci ou cela. J'ai noté tout le monde dans une liste. Je me souviens de chacun. Si vous regardez cela maintenant, je vous écrirai bientôt à tous. Donc oui, toute aide est la bienvenue, mais il n'est pas toujours possible de répondre à tout en même temps. Toutes les questions sont progressives, chaque chose en son temps. Je comprends, on a vraiment envie d'aider. Le sujet est très intéressant, celui du dirigeable. Et il est probable que nous allons vraiment construire cela, en tant que pays. Il suffit de se faire connaître en disant que je m'occupe de telle ou telle chose, que je veux participer. Vous pouvez contacter le support technique ou simplement écrire sur Telegram, je le verrai. Nous allons former une base et à la fin, construire ensemble des appareils. Merci pour votre activité. Encore quelques questions sur le thème financier. Pourquoi ne pas créer une échelle indiquant combien de parts ont été rachetées pour sauver le match et les dirigeables en plus On peut le faire, ce sujet peut intéresser auparavant, le chocolat est là dans le cadre du traitement et du financement. Si besoin, on peut le faire. Mais est-ce utile de le voir chaque jour Nous publions des données périodiquement, donc on peut le faire. Et combien y aura-t-il d'étapes de financement au total Je demande. Nous avons au total 20 étapes de financement. Nous prévoyons de parcourir ce chemin en environ 3 à 5 ans. Actuellement, nous ne sommes pas à la première étape, mais à l'étape préliminaire 0 de financement, où vous pouvez entrer dans le projet dans des conditions super intéressantes et avantageuses. Donc, étudiez ces conditions. Toutes les propositions d'investissement sont disponibles dans le cabinet personnel sur notre plateforme. Comme vous vous en souvenez, la phase de pré-lancement sera bientôt terminée et ces conditions qui existent aujourd'hui ne seront jamais disponibles dans le projet. Ce n'est certainement pour personne, ni dans quelles conditions, peut-être même s'il y a quelqu'un là-bas, un jour, certaines conditions seront données, mais seulement pas des conditions pré-lancement. C'est vraiment le plus important en ce moment. Pour les investisseurs les plus fidèles qui rejoignent maintenant, tout n'est pas encore clair. Eh bien c'est tout, les questions sont terminées et nous avons en gros dépassé les deux heures d'émission. Même au-delà du seuil que nous nous étions fixés, il y avait beaucoup de questions, beaucoup de spectateurs. Merci Ami, vous pouvez vous éloigner et dire encore Fedia, Denis. Alors, assurez-vous de suivre la stratosphère, oui. Ce sera parce que c'est vraiment génial. Ne le manquez pas. Oui, Pavel Igorievitch, il y a des plans pour l'avenir de mener tous les tirs directs, surtout depuis la troposphère, avec des dirigeables et d'autres moyens via l'application Solar Group. Ah, donc chaque personne peut certainement. potentiellement. Nous allons diffuser uniquement sur notre propre plateforme, oui, dans notre application. On peut probablement. La question est de savoir si c'est nécessaire. Eh bien. Nous aurons notre propre système de communication et notre propre application. C'est. Système fermé complètement complet Oui, c'est possible. Que va-t-on faire Nous allons expliquer si la Terre est plate ou ronde en réalité, mais seuls ceux qui téléchargeront l'application pourront le voir. Au fait, avons-nous la tâche de vérifier ou de réfuter la Terre plate à cette élévation spécifique Une tâche. Eh bien, il n'y a pas de telle tâche. La Terre est sphérique. Oui, les amis, je rigole bien sûr. Je ne crois pas non plus à cette théorie, mais d'une manière ou d'une autre, je ne comprends pas si les gens en parlent souvent, juste pour le plaisir, ou si beaucoup y croient vraiment. Ne le faisons pas, s'il te plaît, encore une fois. Mais... Je ne t'ai pas dit. Mais nous avons l'idée de faire un webinaire sur ce sujet la semaine prochaine. Mais nous vous informerons plus tard, ce n'est pas moi, nous avons une proposition à ce sujet. Donc, pour ceux que le sujet intéresse, suivez les nouvelles. Et qui est venu sur CHBD pour parler de la Terre plate Je ne me souviens pas. Alors, eh bien, terminons ainsi. Un grand merci à tous. Je rappelle, les likes, Yuri Loza, je m'en souviens, les likes, les partages, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Voulez-vous organiser un webinaire Non, je vais te dire, nous allons nous déconnecter et décider si nous devons le faire ou non. Une certaine proposition a été faite, disons ça. Like, partage, et n'oubliez pas que si vous envoyez ce lien à votre ami en ce moment, il pourra regarder l'enregistrement par ce même lien. Oui, et racontez, que le lancement dans l'atmosphère avec une diffusion en direct aura lieu. Nous Dès que quelque chose Exactement, à l'heure prévue, nous publierons des annonces, et vous verrez toutes les nouvelles dans le chat Telegram. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, et si vos amis ne sont pas là, invitez-les à nous rejoindre. Tout sera diffusé sur Telegram, avec l'heure précise, la date et le lieu. Tout sera là, oui, le lien sera juste sous la diffusion en direct. L'essentiel est de ne rien manquer. A tous, au revoir, au revoir, au revoir.